d'être aussi nombreux. Un immense merci d'être ici ce soir. Enfin, vous êtes près de 4000 abonnés, lecteurs de Valeurs Actuelles, abonnés, visionneurs occasionnels de VA+. C'est énorme. C'est extrêmement important que vous soyez là, qu'on puisse se voir, qu'on puisse se toucher même. Merci à Nicolas Sevilla, à Raphaël Stainville, Thug du Haldeni, Charlotte Dornelas, Benoît Sevilla, Pierre-Nicolas et Geoffroy Lejeune. Est-ce que vous êtes chaud? Cette grande soirée du débat des valeurs va enfin commencer, présentée par les coordinateurs généraux des éveilleurs qui ont organisé avec nous Valeurs Actuelles cette soirée. On les écoute, merci à tous, sous vos applaudissements. Ils nous ont dit que ce serait impossible, mais ce soir, nous l'avons fait. Chers amis de Valeurs Actuelles, chers éveilleurs, nous sommes ravis de vous accueillir pour la plus grosse soirée jamais organisée par les éveilleurs et par Valeurs Actuelles au Palais des Sports de Paris. Il fallait de l'audace, il fallait un peu d'inconscience pour réunir ce soir un magnifique plateau dont deux candidats à l'élection présidentielle, une ministre, un député, une revenante en politique. Ce soir, c'est la soirée des éveilleurs et je vous demande d'applaudir et de Valeurs Actuelles et je vous demande d'applaudir les 150 bénévoles sans qui rien ne se serait fait. Il fallait de l'audace et du panache. Mais Geoffroy m'a demandé ce soir de ne pas faire du sous-Villiers, même si j'ai très envie de parler de lui. Il fallait de l'audace parce qu'en fait, ils nous disent tous que la campagne est morte et que l'élection présidentielle est déjà jouée. En tout cas, ils essayent de nous le faire croire. Mais c'était sans compter sur le génie de Valeurs Actuelles et des éveilleurs. Merci infiniment d'être là, vous imaginez pas comme c'est important pour nous et comme c'est spectaculaire même de vous voir en fait, on est très intimidés. Moi j'ai juste une faveur à vous demander, c'est que vous savez, on explique aujourd'hui que le débat en France est impossible, que tout le monde se hurle dessus, s'invective. Nous ce qu'on a voulu faire ce soir c'est prouver qu'à droite on était capable d'organiser des débats qui n'existent plus ailleurs. Donc vont défiler sur la scène des gens, peut-être certains ont votre préférence, d'autres beaucoup moins. Et je voudrais juste vous dire que c'est grâce à ceux qui sont peut-être les plus éloignés de vous que cette soirée est possible et qu'elle a une importance, qu'elle a de l'écho et qu'elle est réussie. Alors pour ça, je ne vous en voudrais pas de manifester votre préférence et d'applaudir votre candidat s'il est là ou votre candidate si elle est là ce soir, mais par contre je vous demanderai de respecter ceux qui sont venus et qui ont pris le risque de venir, notamment Marlène Schiappa, parce que sans elle, cette soirée ne serait pas la même. Et merci pour elle, merci beaucoup. Et merci de nous aider à prouver ce soir qu'on peut être intelligent et qu'on n'est pas obligé de céder à l'invective en permanence. Nous, on est différents et on va le montrer ce soir. Merci. Alors, chers intervenants, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci d'avoir osé le débat. Parlez-nous de la France, parlez-nous de ses grandeurs. Faites-nous rêver, faites-nous rire, faites-nous vibrer, mais surtout, réveillez cette campagne présidentielle ce soir. Bienvenue au débat des valeurs.
notre première invitée et ministre auprès du gouvernement à la citoyenneté. Elle a eu le courage de venir ici. Elle n'aime pas le mansplaining, mais encore moins le multiculturalisme. Merci d'applaudir Marlène Schiappa. Bonsoir à tous. Alors bon, déjà, vous avez bien écouté Geoffroy. Je vais vous redemander d'applaudir Marlène Schiappa qui a accepté de venir ce soir nous voir. Alors justement, madame, on va s'éviter un premier débat. Je vais vous appeler madame la ministre en signe de bienvenue. Et non pas madame le ministre, hein, c'est pas sur votre qualité évidemment. Vous avez toujours, depuis le début, accepté de parler à nos lecteurs dans Valeurs Actuelles. Ce n'est pas de cas de tout le monde et c'est l'occasion de vous remercier pour ça. Et vous avez surtout accepté de venir ce soir alors que nous avons tous remarqué que l'heure n'est pas exactement au débat en Macronie. Alors qu'est-ce qui vous a motivé pour venir nous voir ce soir et pour venir parler à cette salle peut-être macroniste? Mais jusqu'à présent, ce n'était pas évident. Bonsoir. D'abord, merci pour votre accueil en humour, chère Charlotte. Alors, j'ai envie de vous répondre très rapidement et simplement parce que Tuc Duhal de Nîmes l'a demandé. Mais je vais développer un petit peu mon propos. Je pense que le débat d'idées est extrêmement important. Et je déplore que l'on traverse une période dans laquelle, très souvent, l'invective, la petite phrase, l'attaque personnelle, parfois en dessous de la ceinture, remplace le débat d'idées. Et c'est vrai, vous l'avez dit, j'ai déjà répondu à des interviews dans Valeurs Actuelles dans le passé. Ça m'a valu pas mal d'attaques. Je sais que ça a valu aussi des attaques à Valeurs Actuelles de m'ouvrir ces colonnes. Et moi, je crois vraiment à la démocratie. Je ne supporte pas l'entre-soi. Et je pense que quand on n'est qu'avec des gens avec lesquels on sait qu'on est d'accord sur absolument tout, ça veut dire qu'il faut se remettre en question parce qu'on frise la dérive sectaire. Et donc je pense que c'est extrêmement important, particulièrement dans une période de campagne présidentielle, de pouvoir partager nos projets. Je trouve que c'est normal en démocratie que les ministres soient interrogés sur leur bilan. Je pense que peut-être parfois, quand on débat, on trouve des points d'accord. On trouve aussi des points de désaccord forts, profonds, sur un certain nombre de sujets qu'on va aborder tout à l'heure ce soir. Mais en tout cas, moi, je vous remercie pour l'invitation parce que je pense que le débat, c'est important. La démocratie, ça ne doit pas être un mot. Il y a des gens en Europe en ce moment qui se battent pour défendre la démocratie. Je pense que c'est notre responsabilité aussi de la faire vivre, y compris dans le débat et y compris et surtout dans la confrontation et dans la contradiction. Alors, j'en profite, puisque vous parlez de piques et de petites phrases qui sont parfois des atteintes au débat démocratique. Il y a une autre chose qui a inquiété certains responsables politiques ces derniers jours, c'est les attaques carrément physiques. On a eu Jordan Bardella, notamment, qui a fait savoir que les attaques étaient parfois graves contre les militants. Éric Zemmour, qui a parlé de reconquête. Les deux se sont entendus sur la dénonciation de ces atteintes graves aux personnes parce qu'elles sont militantes d'un parti. Quelle est votre réponse, justement, de ministre à cet état de fait qui touche particulièrement certains militants aujourd'hui en France ? Alors moi, j'ai toujours été très claire sur ce sujet et sur la condamnation des attaques, qu'elles soient physiques ou qu'elles soient verbales. Je vous rappelle que j'ai, par exemple, soutenu la conseillère d'Éric Zemmour, Sarah Knafo, quand elle a été attaquée avec des propos extrêmement sexistes. J'avais d'ailleurs, dans le passé, soutenu Marine Le Pen quand elle-même, elle avait été victime de ce type de propos. Donc pour moi, c'est une question de principe, c'est pas une question de personne. Je pense que la démocratie, elle doit pouvoir s'exercer sereinement, sans attaque physique, bien évidemment. C'est d'ailleurs pour ça qu'on protège au ministère de l'Intérieur un certain nombre d'élus qui font état de ces attaques dont ils sont victimes, parce que la violence, je crois, ne doit jamais remplacer le débat d'idées et le débat de fond. Et c'est valable pour la violence physique, et bien sûr je condamne toute agression physique, ça ne doit jamais remplacer le débat, et c'est valable aussi pour la misogynie qui peut exister dans la vie politique, ou pour les attaques antisémites qui sont encore trop nombreuses dans la vie politique. On en a vu encore des exemples encore ce week-end avec le défilé de M. Mélenchon, par exemple. Et alors, ces attaques sont souvent imputables
pas tout le temps, mais souvent imputable aux Antifa. On a vu Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, annoncer la dissolution d'un groupe, notamment à Nantes, ces derniers mois. Est-ce que vous pouvez simplement nous faire un point, justement, sur... On a parfois l'impression qu'il y a une motivation qui n'est pas la même quand il s'agit de l'extrême gauche à la tête de ce pays. Est-ce que vous pouvez nous affirmer que cette motivation est intacte aujourd'hui ? Alors, je suis pas certaine d'avoir compris le sens de votre question, mais si c'est la dissolution des Antifa, on sait pas très bien où on en est, quoi. Alors, pour dissoudre une association, vous avez raison de poser la question. Pour dissoudre une organisation, pour dissoudre une association, ça demande une procédure judiciaire assez longue, comme vous le savez, pour que l'État puisse être en mesure de le faire. C'est vrai, et je vais vous donner quelques exemples. Je vous donne un exemple. Le CCIF. Depuis combien de temps le CCIF existait ? Depuis combien de temps ? Eh bien, le CCIF, c'est Emmanuel Macron et Gérald Darmanin qui ont pris les décisions de dissoudre en Conseil des ministres le CCIF suite à un travail juridique fin et précis pour qu'enfin on réussisse à dissoudre cet organisme qui faisait l'apologie notamment du terrorisme. Et le CCIF, avant qu'il soit dissous, eh bien, il y a des élus de la République qui le finançaient. Le maire de Grenoble, par exemple, ELV, a financé le CCIF avec de l'argent public, et ça, c'est inadmissible. Je vous donne un autre exemple, le collectif de FEC Cheikh Yassine. Depuis combien de temps existait le collectif de FEC Cheikh Yassine ? Eh bien, Emmanuel Macron et Gérald Darmanin ont eu le courage de l'identifier et de le faire dissoudre en Conseil des ministres. Je peux multiplier les exemples avec, par exemple, Baraka City, également, qui prônait de l'apologie de l'islamisme et qui a été dissous en Conseil des ministres grâce à l'action d'Emmanuel Macron et de Gérald Darmanin, parce que c'est une action minutieuse. Et donc, nous menons une action pour dissoudre tous les collectifs qui menacent la République et qui sont violents. Et je suis désolée de le dire ici, quelles que soient les motivations de ces collectifs, ça a été le cas, je ne vais pas faire des amis, mais pour Génération Identitaire, c'est le cas. J'avais prévenu que j'allais pas me faire des amis. Et c'était le cas également pour les collectifs d'extrême gauche ou pour les collectifs islamistes. Notre rôle, c'est de préserver la sécurité de l'État. Mais alors, je précise ma question. Où en est-on de la dissolution de ce groupe, justement, qui, alors là, c'est illustré très régulièrement par des violences qu'on n'a pas forcément vues, en l'occurrence, dans d'autres groupes que vous avez dissous ces dernières années ? Je peux pas vous répondre. C'est la prérogative du ministre de l'Intérieur, mais probablement ce qu'il vous répondra quand vous lui poserez la question. Le but, c'est que vous ayez les réponses. Après, vous en ferez ce que vous voudrez. Alors, il y a évidemment une actualité qui est un petit peu phagocytée par la question ukrainienne. Et il y a un aspect particulier dans cette guerre en Ukraine, c'est la question des réfugiés. On a vu quelque chose d'étonnant en Europe de manière générale. Les pays qui sont sans cesse brocardés et qui sont sous sanctions par ailleurs, notamment sur la question de l'immigration, ont été absolument exemplaires dans l'accueil de leurs voisins ukrainiens. Et on a des chiffres, notamment parmi les Français comme ailleurs en Europe, les mêmes taux majoritaires de gens qui refusent la poursuite de l'immigration en France étaient favorables à l'accueil de ces réfugiés ukrainiens. Comment est-ce que vous, ministre de ce gouvernement, analysez ce changement de pied, on va dire, sur l'immigration ? Et quelles leçons vous en tirez si demain vous êtes encore à la tête de ce pays ? Alors, plusieurs choses. D'abord, c'est vrai qu'il y a une forme de consensus, en tout cas en France et dans d'autres pays européens, sur l'accueil des personnes qui viennent d'Ukraine. Et je m'en réjouis et je tiens ici à remercier tous les maires, quel que soit leur bord politique, qui se sont mobilisés et qui se mobilisent encore pour réussir ensemble cet accueil des personnes qui viennent d'Ukraine. On est ici porte de Versailles. À quelques pas d'ici seulement, il y a ce centre d'accueil unique que nous avons monté, Porte de Versailles, où c'est extrêmement poignant parce que vous avez principalement des femmes, des mères avec leurs enfants qui ont fui les bombes et qui ont fui l'Ukraine et qui viennent ici pour trouver asile. Et moi, je trouve ça assez positif que la France, finalement, soit unie dans l'accueil de ces personnes qui viennent d'Ukraine. On renoue avec cette définition de l'asile. Je crois que l'Europe, elle s'est aussi construite sur ces valeurs-là, sur les valeurs d'accueil des personnes qui fuient la guerre. Et pour répondre sur la question particulièrement des pays de l'Est, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on observe aujourd'hui. On a une solidarité nécessaire à avoir avec notamment la Pologne, mais aussi la Moldavie, qui est, pour prendre un pays en dehors de l'Union européenne, qui accueille beaucoup de personnes qui arrivent d'Ukraine. Moi, je ne vais certainement pas leur jeter la pierre. Je trouve que c'est très légitime quand vous êtes un pays frontalier, quand vous avez à vos portes une guerre, des bombardements contre vos voisins, vos cousins, que vous les accueillez chez vous. Et je pense que c'est là, justement, toute l'essence du droit d'asile. C'est accueillir chez soi des personnes qui vivent dans un pays qui est en guerre, sous les bombardements. On a tous vu les images. Et je pense que cette empathie et cette solidarité, elle honore l'Europe et la France.
Et j'imagine que vous allez donc condamner les sanctions qui ont été prises, et notamment le blocage de l'argent par l'Union européenne, par le Parlement européen, envers ces pays-là, précisément. C'est, et en plus, sanctions qui ont été demandées par le Parlement européen à la Commission européenne pendant, alors que la guerre en Ukraine avait commencé et que les réfugiés quittaient déjà l'Ukraine vers la Pologne, la Hongrie et tous ces pays que l'Union européenne brocarde très régulièrement sur le terrain de l'état de droit. Moi, vous savez, je vous réponds très sincèrement, je n'ai pas envie de faire de politique politicienne avec ces pays qui... Mais là, c'est un sujet important quand même. L'Union... Non, mais je vous dis les choses sincèrement. Hier, par exemple, on a accueilli des enfants ukrainiens malades qui transitaient par la Pologne. Bah non, ne sifflez pas les enfants ukrainiens malades, c'est assez incorrect. On a donc accueilli des enfants qui étaient malades, qui étaient à l'hôpital, pour lesquels il y avait une nécessité de continuité de soins et qui ont transité par la Pologne. Je me permets de vous couper. Ensuite, ils sont... Non, mais je me permets de vous couper parce que je ne connais pas tout ce qu'il y a dans le cœur des gens qui sont dans cette salle. Je ne pense pas que c'était les enfants malades qui quittaient l'Ukraine qui étaient sifflés. Pardon, mais on fait un débat des valeurs. Moi, je vais vous justement. Dire, je précise ma question simplement. Et j'entends. Après, non, mais je veux répondre. Réagir par rapport à ça. On fait un débat sur les valeurs. Moi, je pense qu'il y a un certain nombre de sujets qui méritent de ne pas siffler, que ce soit les personnes ou le messager au moment où on en parle. C'est tout. Alors, là, on est en train de parler d'un sujet grave, important, d'enfants hospitalisés. Je pense que ça mérite juste le respect. On sait que vous n'êtes pas d'accord avec moi, d'accord ? On est chez les éveilleurs, on est chez Valeurs Actuelles. Vous avez crié Zemmour président. A priori, on est au courant que vous n'êtes pas d'accord avec ce que je fais et que peut-être vous ne me soutenez pas politiquement. Alors, c'est justement pour ça que je suis là, pour avoir un débat. Mais pour qu'on puisse avoir ce débat, je pense qu'il faut qu'on puisse aller dans le respect des personnes dont on parle au bout des raisonnements. Alors, c'est mon humble avis. Je vais préciser ma question. Merci. Je vais préciser ma question, comme ça, ça vous évitera de répondre à côté et de provoquer des sifflements dans la salle. Là, vous vous faites un peu plaisir, Charlotte. Non, mais je précise ma question. Il ne s'agit pas de savoir si l'accueil ou pas. L'immense majorité des Français s'est prononcée en faveur de l'accueil des Ukrainiens, en l'occurrence, des enfants aussi, et des femmes, évidemment. La question aujourd'hui est de savoir, vous avez des pays à l'Est qui font partie de l'Union européenne. On nous dit, dans cette guerre, il faut que l'Union soit forte, il faut que l'Europe montre enfin sa puissance, il faut qu'elle montre son unité. Or, ces pays, exactement, et je les cite à nouveau, la Pologne, la Hongrie, la Roumanie, qui sont en première ligne aujourd'hui de l'accueil de ces réfugiés, qui ont été exemplaires dans l'accueil de gens qui fuyaient très directement la guerre, de gens qui sont européens, de gens qui étaient juste à côté et qui n'avaient pas le choix que d'aller dans ces pays-là. Ces pays-là, aujourd'hui, sont sous sanction de cette même Union européenne qui prétend l'unité. Qu'est-ce que vous répondez sur la question des sanctions ? Mais moi, je vous réponds dans les actes. Et je pense que c'est extrêmement important est en train de vivre une période de guerre aux portes de l'Union européenne, sur le continent européen, tel qu'on n'aurait jamais pensé la revivre. J'ai croisé justement Porte de Versailles, dont je vous parlais, une dame d'un certain âge qui m'a dit qu'elle revivait ce qu'elle a vécu pendant la Seconde Guerre mondiale. Et je pense que c'est ça la situation qu'on est en train de traverser aujourd'hui. Et dans cette période... je pense que c'est extrêmement important que l'Europe se montre solidaire. Et c'est pour ça que moi, je ne ferai pas de petites phrases et je ne rentrerai pas dans de la politique politicienne au risque de vous décevoir, parce que je veux que l'Europe soit forte. Et pour que l'Europe soit forte, elle a besoin d'être solidaire. Et c'est pour ça que tous les jours, nous parlons avec le gouvernement polonais, avec lequel, oui, nous avons eu des désaccords et nous en avons encore sûrement, mais nous parlons avec le gouvernement polonais et nous travaillons main dans la main. Parce que la Pologne aujourd'hui est confrontée à un défi migratoire terrible. Elle a cette générosité, elle veut accueillir les personnes qui arrivent d'Ukraine et nous devons l'aider. Nous avons aujourd'hui plus de 15 000 personnes venues d'Ukraine qui sont en France. Certaines ont vocation à aller en Espagne, certaines ont vocation à aller au Portugal, parce que comme vous le savez probablement, il y a beaucoup d'Ukrainiens qui se trouvent dans ces pays, mais d'autres ont vocation à rester ici en France. Et donc moi, quand je vous dis que je vous réponds par les actes, ce sont des actes. Ce sont les actes pour scolariser ces enfants qui viennent d'Ukraine. Et je remercie tous les parents qui leur réservent un accueil chaleureux eu égard à ce qu'ils ont vécu. Ce sont des actes pour les soigner. Et puis ce sont des actes pour travailler sur leur insertion, pour faire en sorte qu'ils puissent commencer à parler français. On mobilise pour cela des cours pour les aider. Ils ont droit, grâce à la protection temporaire, à l'ADA, à l'allocation
de demandeurs d'asile qui leur permet justement de subvenir à leurs besoins. Et chaque jour, on se mobilise avec les élus de tous les bords politiques et avec les préfets pour leur trouver un hébergement et pour faire en sorte que ces personnes qui arrivent d'Ukraine et qui ont fui la guerre, merci, qu'elles soient passées par la Pologne, la Moldavie ou qu'elles arrivent en France, qu'elles puissent avoir un hébergement. Parfait. Je retourne à ma place. Alors, bon... Je vais répondre moi-même à la question que je vous ai posée. C'est-à-dire que... On quitte un peu le champ du débat, là, mais bon. Non, mais c'était pas un débat. J'essayais de vous faire répondre à des questions très précises et je décèle dans votre réponse que la France se montre solidaire dans la question de l'accueil des réfugiés ukrainiens, mais qu'elle ne condamnera pas, si votre majorité reste au pouvoir, les sanctions qui frappent les pays qui accueillent en premier les réfugiés ukrainiens. C'est ce que j'entends dans votre réponse. Il y a une autre question justement sur cette question de l'immigration, parce que je vous disais, il y a un changement de pied. En effet, les Français n'accueillent pas de la même manière des gens qui quittent la guerre très directement dans les pays de l'Union européenne et ceux qui viennent de l'immigration extra-européenne. Et Emmanuel Macron, président de la République, avait dit dans Valeurs Actuelles, et c'est pour ça que je me permets de le rappeler, il y a quelques années, il y a deux ans ou trois ans, il avait dit à la fin de mon mandat, il y aura 100% d'obligations de quitter le territoire français qui seront exécutées. On n'est pas exactement arrivé à ce chiffre-là. Et vous avez régulièrement dit que vous vouliez l'expulsion des gens dangereux, des gens fichés, des gens condamnés pour violences conjugales, des gens condamnés pour violences faites aux femmes. Tout ça rentre aussi dans la question des expulsions. Vous n'êtes pas parvenu à vos fins, même avec le chantage au visa que vous aviez fait avec les pays d'origine. Comment est-ce que demain, il serait possible de réussir ? Bon, alors d'abord, vous ne serez pas étonné que je ne partage pas tout à fait le constat, même si je partage bien sûr l'objectif. Moi, 100%, j'avais obtenu... vous ne partagez pas le constat, 100% vous avez réussi. J'ai dit que je ne partageais pas tout à fait le constat. Ouais. Les mots ont un sens dans un débat. Et donc, je vais commencer par rappeler que dans mes précédentes fonctions, j'avais obtenu auprès du Premier ministre Édouard Philippe, dans un comité interministériel intégration-immigration, l'expulsion, effectivement, de toutes les personnes qui se montrent coupables de violences conjugales ou de violences sexistes et sexuelles. Parce que la France est le premier pays à avoir créé la verbalisation du harcèlement de rue, parce que la liberté des femmes à aller et venir dans l'espace public, elle est fondamentale, et c'est le gouvernement d'Emmanuel Macron qui a fait voter cette loi et l'interdiction de l'outrage sexiste, d'une part. Et puis d'autre part, effectivement, moi je veux regarder les gens pour ce qu'ils font et pas pour d'où ils viennent ou pour ce qu'ils sont. Et donc je pense que quand vous arrivez en France et que vous vous rendez coupable de violences conjugales ou de viols, évidemment, vous n'avez rien à faire sur le territoire national. Et donc pour répondre par un chiffre à votre question, il y a eu 1300 expulsions sur l'année dernière de personnes qui ont commis de tels faits et qui ont été expulsées pour les faits qu'ils ont commis grâce à l'arbitrage qui avait été rendu par le président de la République. Non, c'est vrai, ce sont des chiffres publics, vous pouvez les vérifier. Oui, sur les 1300, c'est vrai. Simplement, il y a deux questions différentes, en fait. Il y a la question des gens condamnés, et là, vous êtes engagé là-dessus. Bon, il y en a plus de 1300 qui sont condamnés et qui pourraient repartir. Donc, comment est-ce qu'on peut faire mieux demain ? Et la deuxième chose, sur le 100% de QTF, ce n'est pas des gens condamnés. C'est des gens qui sont en France, qui ne sont pas français, absolument, étrangers illégalement. Et aujourd'hui, les taux, ça varie entre 10 et 20%. On est très, très loin du 100%. Comment est-ce que demain vous pouvez réussir à faire quitter le territoire français à tous les gens qui n'ont rien à y faire? Non, mais c'est vrai qu'il y a un enjeu sur l'exécution des OQTF et non pas sur le fait de les prononcer, mais sur le fait de les faire exécuter. Vous savez très bien qu'il y a eu une période de pandémie pendant laquelle les frontières étaient fermées. Vous huez la pandémie? Merci. Vous savez donc très bien qu'il y a eu une pandémie pendant les deux dernières années qui ont fermé les frontières et qui n'ont pas permis de faire ces reconduites à la frontière, d'une part. Non, c'est vrai, il y a eu une pandémie, monsieur, je vous assure, renseignez-vous. Ensuite, au-delà de la... C'est une petite blague. Au-delà de la pandémie, je tiens à dire qu'effectivement, il y a un travail diplomatique qui est mené sur la question des visas, ce que vous appelez, Charlotte, les chantages aux visas. Je ne l'appellerai pas forcément comme ça, mais c'est vrai que la France fait pression auprès des pays qui ne veulent pas reprendre leurs ressortissants. Et donc pour ça, on a des leviers de pression. Moi, j'entends des candidats ou des candidates dire « Avec moi, ce sera 0%, ce sera 100%, tout sera fait. » Très bien. Je suis très curieuse de savoir comment, dans l'action diplomatique, ce travail sera mené. C'est extraordinairement difficile. Alors attendez, je précise ma question. Parce qu'il y a des candidats qui disent 0%, d'autres qui disent 100%. Il y a un candidat aujourd'hui qui était président de la République il y a deux ans qui a dit dans Valeurs Actuelles 100%. Emmanuel Macron, 100% d'exécution. Absolument. Et on en est très très loin.
on en est loin et c'est bien évidemment l'objectif. Et c'est ce sur quoi Gérald Darmanin travaille d'arrache-pied avec Jean-Yves Le Drian. Et c'est pourquoi cette décision des visas a été prise. Je tiens à dire qu'elle n'avait jamais été prise précédemment. Donc moi, je pense qu'on peut parler aussi du bilan porté par Emmanuel Macron et par Gérald Darmanin sur ce sujet. Ce sont des décisions fortes et courageuses et qui n'avaient jamais été prises auparavant. Vous avez une grosse voix, monsieur. Félicitations. Et alors, vous deviez rester 15 minutes, donc je pose une dernière question. Vous êtes beaucoup illustré, vous êtes aujourd'hui, vous travaillez donc ministre en charge de la citoyenneté. Et il y a une loi sous ce quinquennat qui était la loi contre le séparatisme. Vous avez abordé, on reste sur la question de l'immigration aussi, vous avez abordé la question du séparatisme par le biais de l'islamisme. Est-ce que vous reconnaissez l'existence d'un séparatisme autre qui est un séparatisme culturel et qui engendre une insécurité culturelle extrêmement préoccupante chez un très grand nombre de Français aujourd'hui? Alors, c'est précisément le sens de ce qu'a porté le président de la République, Emmanuel Macron, dans son discours des Mureaux, qui est un discours qui a posé des bases pour une loi forte et inédite, la loi confortant les principes de la République, dite loi contre le séparatisme, et qui a permis justement de travailler non plus seulement sur la lutte contre le terrorisme, comme c'était le cas précédemment, mais sur la lutte contre le terreau du terrorisme. Et ce terreau du terrorisme, oui, c'est le repli communautaire, c'est la radicalisation, c'est ce que Gilles Kepel appelle le djihadisme d'atmosphère. Ce n'est pas mon expression, c'est celle de Gilles Kepel. Et quand on voit, par exemple, des faits graves, des attentats islamistes qui ont été commis, et qui ont été commis par des personnes qui se sont radicalisées. Donc, bien évidemment, avant le passage à l'acte violent, il y a cette démarche de radicalisation. Et c'est pour ça que nous avons nommé, par exemple, des référents dans les administration, déployer des formations qui n'existaient pas avant, ou que j'ai fait voter dans la loi le contrat d'engagement républicain qui dit comme mot d'ordre pas un euro d'argent public pour les ennemis de la République. C'est intolérable de penser qu'avec l'impôt des Français, des organisations islamistes ont été financées. Je citais le maire ELV de Grenoble, il n'est hélas pas le seul. Et donc grâce à ce contrat d'engagement républicain, respecter les valeurs de la République, ce n'est plus négociable. Quand on veut de l'argent public, on respecte les valeurs de la République et nous ne finançons pas les ennemis de la République, les islamistes. Et est-ce que... Et ce sera le dernier mot. Est-ce que, en plus des valeurs de la République, on peut imaginer un jour qu'on se batte tous ensemble pour que soient respectées les mœurs françaises ? Les mœurs françaises ? C'était votre question ? Moi, je pense que dans les valeurs de la République, il y a un certain nombre de socles, notamment la laïcité. La laïcité, c'est la liberté de croire ou de ne pas croire. C'est la liberté de conscience, et je pense que c'est extraordinairement important. Et il y a aussi l'égalité entre les femmes et les hommes. Et donc, je pense que les droits des femmes font profondément partie des valeurs de la République. Et on voit bien qu'à chaque fois qu'il y a un attentat islamiste sur notre sol, c'est en fait notre mode de vie qui est attaqué. C'est le mode de vie à la française, c'est le mode de vie à l'européenne. Pourquoi ? Parce que nous sommes un pays dans lequel il y a énormément de couples mixtes, nous sommes un pays dans lequel l'intégration fonctionne, et nous sommes un pays dans lequel les femmes sont libres et peuvent jouir pleinement de tous leurs droits. Et c'est exactement pour cela que la France est attaquée. Voilà, vous n'avez pas été très discipliné, hein, si je puis me permettre. Donc je vais vous demander de remercier beaucoup Marlène Schiappa pour s'être prêtée au jeu de la soirée ce soir. C'est moi qui vous remercie. Un grand merci à vous. Un immense merci à Marlène Schiappa et Charlotte Dornelas. Applaudissez-les, on les remercie. Merci encore, Madame la Ministre.
Parce que voyager, ce n'est pas seulement visiter, Odeya crée pour vous d'authentiques voyages culturels. Partez à la découverte de civilisations anciennes, de cultures chrétiennes méconnues, de peuples fiers de leur histoire. Des conférenciers d'exception vous emmènent, vous racontent et vous font vivre leur passion. Partir avec Odeya, c'est la promesse d'un voyage au cœur des enjeux historiques et géopolitiques du moment. C'est la promesse d'un voyage enraciné. Odeya.fr, Odeya.fr. Odeya, depuis quand n'avez-vous pas vraiment voyagé ? Est-ce que vous êtes encore chaud ? Allez, un peu de bruit là. Allez, allez. Notre prochain invité, plus jeune député de France à l'époque, ou encore. Elle revient maintenant en politique auprès d'Éric Zemmour. Un tonnerre d'applaudissements pour Marion. Marion ! Marion ! Merci à tous. Merci. Bonsoir Marion. Bonsoir. On va essayer de se discipliner un petit peu. Marion Maréchal, je sais que vous suivez l'actualité. Il y a quelques jours, on apprenait d'une commission d'enquête du Sénat que des cabinets de conseil privés exercer une influence de plus en plus énorme dans la vie de la politique française. Au-delà de leur coût, 1 milliard sur l'année 2020, qu'est-ce que cela dit aujourd'hui de la pratique du pouvoir ? Alors avant tout, merci pour votre accueil et merci pour cet accueil chaleureux. On a dit en introduction qu'il fallait vendre du rêve et vous faire rêver, mais manifestement, mon thème est de parler du bilan d'Emmanuel Macron, donc ça risque d'être un petit peu plus délicat. Donc je vais faire de mon mieux. Mais pour répondre à votre question plus sérieusement, il y a un fait qui, à mon avis, est tout à fait manifeste concernant le bilan d'Emmanuel Macron. C'est sa capacité à dépolitiser la politique. Et je m'en explique. À travers cet exemple que vous venez de citer, c'est-à-dire l'utilisation et le recours massif à des cabinets privés américains, on voit bien une tendance générale qui s'accélère avec ce président, qui consiste à contourner l'État,
à contourner la haute fonction publique, à contourner même les élus, pour s'en remettre à une vision technocratique constituée par une vision totalement privée à travers ces cabinets, qui pose un certain nombre de questions relativement évidemment à l'efficacité politique, au coût qu'il peut induire. Hein. On a bien vu que ça coûtait parfois plusieurs millions d'euros pour avoir un rapport sur la baisse des APL qui conduira à une réforme de baisse de 5 euros. Donc ça interroge quand même sur les montants d'argent public qui sont utilisés. Des relations troubles, pour dire ça poliment, qui révèlent notamment qu'il y a une vingtaine de salariés de McKinsey qui se sont engagés au moment de la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron en 2017. On voit bien ce cabinet privé dont le directeur associé est le fils de Laurent Fabius, qui est actuellement président du Conseil constitutionnel, et ce même cabinet qui a été notamment en charge de la mise en place de la fameuse stratégie vaccinale. Et donc on voit bien qu'on a un Conseil constitutionnel dont le président est censé se prononcer sur la stratégie mise en place par le cabinet privé dont le fils est lui-même le directeur adjoint. Donc ça, c'est une première chose qui nous interroge, un, sur le rapport à la politique, et deux, sur les liens surprenants ou troubles qui peuvent exister avec ces cabinets. Et la deuxième chose qui me fait penser qu'Emmanuel Macron dépolitise le débat, c'est cette capacité qu'il a à nous expliquer que finalement, demain, comme il l'a fait hier avec les Gilets jaunes et son grand débat, ou avec la Convention citoyenne sur le climat, il mettra en place des états généraux, des grandes consultations, des comités transpartisans dans différents domaines, comme si l'élection n'était plus le lieu du débat, l'élection n'était plus le moment où précisément on se confrontait, on tranchait, on cherchait un consensus, on acceptait le clivage. Finalement, avec Emmanuel Macron, l'élection, c'est une formalité, on la dépasse, on la survole. Et une fois l'élection passée, après, on se prête à l'exercice du débat. Et un débat, évidemment, qui est à chaque fois extrêmement contrôlé, puisque nous l'avons vu en ce qui concerne les différents débats mis en place, dont celui des Gilets jaunes, par, une fois de plus, le cabinet McKinsey. On voit bien que tout était évidemment sélectionné, choisi et marketé pour que rien n'échappe à la communication présidentielle. Alors je me permets une dernière petite question, toujours sur cette actualité. Est-ce que vous comprenez, eu égard à ce que vous rapportez, que cette affaire McKinsey, qui a tout du parfum du scandale d'État, suscite si peu de bruit dans les médias et dans la classe politique ? Non, je ne comprends pas, d'autant plus que derrière le scandale de la pratique, il y a le scandale de l'évasion fiscale pratiquée par ce cabinet, qui manifestement s'enrichit très largement avec l'argent des Français et qui n'a même pas la décence de payer ses impôts en France, ce qui est un scandale dans le scandale. Et c'est vrai que j'ai énormément de mal à comprendre pourquoi nous ne voyons pas les médias s'offusquer davantage de cette situation, mais je vois d'ailleurs de manière générale les médias s'offusquer d'assez peu de choses. On voit bien qu'il y a une relative acceptation au fait, non seulement qu'Emmanuel Macron, par exemple, ne se prête pas au débat de premier tour, mais qu'on apprend par ailleurs qu'il organise des débats avec les Français, dont France Inter a révélé qu'il y avait un tri des personnes présentes et des questions posées à l'avance. On voit qu'il organise des conférences de presse dans lesquelles les journalistes ne sont pas autorisés à filmer ou à poser l'intégralité des questions telles qu'ils le souhaiteraient. Bon, et malgré cela, on voit bien qu'il y a une grande difficulté à mettre Emmanuel Macron face à son bilan et face à ce type de comportement. On peut s'en étonner, en effet. En tout cas, je crois que malheureusement, cette situation, si elle perdure, fera que lorsqu'il faudra faire les comptes en lendemain de l'élection présidentielle, et si Emmanuel Macron est élu, il y a un grand risque, malheureusement, de voir une fois de plus la politique affaiblie encore davantage dans sa légitimité, et donc de nouvelles formes de contestation, parfois violentes, dans la rue émerger, parce que les Français auront le sentiment d'avoir été privés du débat légitime qui aurait dû être le leur. Revenons à la campagne, Marion. Parmi les raisons qui ont précipité peut-être votre retour en politique, vous avez eu l'occasion de vous en expliquer, il y a la candidature d'Éric Zemmour que vous soutenez aujourd'hui, mais il y en a une peut-être qui tient à Emmanuel Macron lui-même,
à ce qu'il est, à ce qu'il incarne. En 2016, je me souviens, invité à vous exprimer sur celui qui n'était pas encore président, vous disiez d'Emmanuel Macron, c'est Juppé, avec 30 ans de moins et une barbe de 3 jours. Et un pull à capuche maintenant. Mais encore, que diriez-vous de plus sur lui maintenant que vous avez eu le temps de l'observer pendant 5 ans ? Mais c'est ça qui est surprenant avec Emmanuel Macron, si vous voulez. C'est que même après 5 ans de pratique, même après une nouvelle annonce de programme présidentiel, on a extrêmement mal à définir les contours de sa vision politique. Il n'y a pas d'imaginaire national avec Emmanuel Macron, il n'y a pas de squelette clairement défini. On a une espèce de... Oui, j'ai envie de vous dire de technocratie centriste qui oscille, et on le voit bien à l'occasion de sa conférence de presse d'annonce de programme, qui va osciller entre d'un côté des grandes déclarations extrêmement consensuelles qui pourraient convenir de Fabien Roussel à Éric Zemmour, et un alignement, un enchaînement de mesurettes techniques qui évidemment ne dégagent pas de véritable vision. Et à côté de cela, on a un président qui, sur des sujets absolument stratégiques, essentiels et fondamentaux pour l'avenir de la France, a été capable de faire des embardées idéologiques absolument phénoménales, au point qu'on finit par se dire, sans mauvais jeu de mots, que voter pour Emmanuel Macron, c'est un peu jouer à la roulette russe. Parce qu'il a, in fine, été capable, en quelques années seulement, de changer complètement de point de vue, par exemple, et on en a un peu parlé sur le nucléaire, nous faisant perdre ainsi 5 ans d'investissement stratégique dans cette filière du nucléaire, et donc nous faisant perdre autant de capacités d'indépendance et d'autonomie évidemment énergétique, notamment sur le plan de l'électricité. On l'a vu faire une énorme aussi embardée sur les retraites. Je vous rappelle qu'il y a un an de cela, Emmanuel Macron nous défendait bec et ongle, prêt à affronter la rue, la réforme des retraites à points, qui aujourd'hui a totalement disparu des radars. On avait un Emmanuel Macron, ça recoupe le sujet européen, qui aujourd'hui, et à l'occasion du sommet européen, nous explique par exemple qu'il souhaite défendre l'autonomie stratégique de l'Union européenne, qui est une très belle idée, et notamment l'autonomie alimentaire de l'Union européenne. Sauf que, quand on regarde ce qui a été fait pendant 5 ans au niveau européen, avec son soutien et avec la complicité de ses élus LREM au Parlement européen, c'est notamment le vote d'un ensemble de mesures qu'on appelle le pacte vert. Et ce pacte vert qui aboutit à mettre en place des restrictions écologiques extrêmement fortes à l'égard de nos agriculteurs sur différents points, au point que une étude d'impact a révélé que ces restrictions aboutiraient à moins 15% de production alimentaire en Europe. Et donc, sous couvert d'écologie louable, on va finir par devoir importer davantage de produits extra-européens qui, évidemment, ne respectent pas les normes, notamment écologiques, qui s'imposent à nos propres agriculteurs. Et donc là, sur ces trois exemples, et je pourrais vous en citer des dizaines, qui sont vraiment des sujets fondamentaux pour l'indépendance et la puissance française, vous avez là un président qui, manifestement, est incapable d'avoir une vision cohérente. Vous avez déjà largement commencé à attaquer le bilan d'Emmanuel Macron, que lui-même se refuse à défendre. Marlène Schiappa, il y a quelques instants, a tenté à sa manière de le défendre. Justement, si l'on revient sur un point crucial, et en tout cas qui intéresse nombre d'entre vous, il s'agit de la politique migratoire. Que répondriez-vous à la ministre qui défendait la politique migratoire ? Les progrès qui ont pu être faits en la matière. Alors, ce qui est vrai, c'est que Emmanuel Macron a une certaine capacité à marketer et à enrober à la fois son bilan et l'exercice de sa pratique présidentielle. Et c'est vrai que, quand on parlait de dépolitisation tout à l'heure, maintenant la campagne se résume à faire des photos glamour de publicitaire dans son palais de l'Elysée, faire des campagnes Netflix. Je ne sais pas si vous avez vu, on a épisode 1, épisode 2, donc le suspense est intenable. Et on a donc ce type d'exercice maintenant au détriment de un véritable état des lieux sur ce qui a véritablement été fait pendant 5 ans. Et sur la question de l'immigration, c'est tout de même absolument manifeste qu'Emmanuel Macron
est le président de l'immigration massive, comme nous ne l'avions pas vu depuis longtemps. Et je le dis en particulier pour tous ces électeurs de droite qui auraient la tentation d'aller vers Emmanuel Macron, de regarder concrètement les chiffres après 5 ans de pratique présidentielle. Les chiffres, c'est un record absolu d'octroi de titres de séjour à des extra-européens. Plus +1 200 000 titres de séjour qui ont été donnés, avec un stock record qui aujourd'hui frôle les 3,5 millions de titres de séjour actuellement valables sur le territoire français. Nous avons un président qui a fait en sorte qu'il y ait moins 15% d'éloignement de clandestins ou de personnes qui sont plus autorisées à rester sur le territoire que sous François Hollande. Nous avons un record absolu de demandeurs d'asile qui, si je ne m'abuse, on était à peu près... 270 000. Voilà, on était à plus 134 000 en 2021 et plus 177 822 en 2019. Donc vous imaginez, c'est des chiffres absolument stratosphériques avec, on le sait bien, une immense majorité, ça toutes les enquêtes le prouvent, de déboutés du droit d'asile qui, in fine, restent sur le territoire français. On est à peu près à 20% d'obligations de quitter le territoire qui sont véritablement appliquées, alors même que le président lui-même s'était engagé par des propos extrêmement forts à dire qu'il y aurait 100% d'OQTF appliqués au début de son mandat. Vous ne croyez pas ? J'en finirai juste par ça. Il y a également, parce que sur le plan économique, c'est aussi intéressant, parce que décorréler les deux à l'époque du pouvoir d'achat, c'est évidemment compliqué. Sous Emmanuel Macron, entre 2018 et 2022, c'est plus 48% d'augmentation du budget lié à l'immigration. Et à l'immigration stricto sensu. Je ne parle pas de tous les coûts induits par l'immigration à côté. Donc quand on regarde les chiffres, on voit bien qu'il y a là, manifestement, un président qui communie à l'idée de l'immigration de masse et qui le revendique, puisqu'encore récemment, à un forum sur la Méditerranée, il y a quelques mois, il rappelait et il disait de nouveau que l'immigration était une chance pour la France. Vous ne croyez pas le président candidat lorsque, dans son programme, il semblerait qu'il muscle son programme en matière de politique intérieure et d'immigration ? Non. Non. Non, je ne le crois pas pour une raison simple, c'est que je n'ai pas vu cette volonté pendant 5 ans. Je n'en ai pas vu les résultats. Je vous le dis une fois de plus, il y a quelques mois seulement, un président de la République qui continuait d'affirmer... Donc c'est vraiment un clivage philosophique et politique fort, notamment avec le candidat que je soutiens aujourd'hui, mais sur le fait que l'immigration était une chance pour la France. Et par ailleurs, je tiens à préciser que j'ai regardé avec attention les annonces qu'il avait faites à l'occasion de son programme, qui sont quand même des annonces extrêmement timides. On a notamment la réorganisation du fonctionnement du droit d'asile et éventuellement le durcissement des conditions d'attribution des titres de séjour. Admettez quand même qu'on est quand même loin du compte quand on voit, et ça c'est le point de vue qui est le mien et qui est celui aujourd'hui du mouvement que je soutiens, mais d'expliquer que nous sommes face à une course contre la montre démographique. Il ne s'agit pas seulement de traiter les questions économiques, il s'agit d'un enjeu civilisationnel qui fait que demain, chaque mandat qui passe laisse la perspective de voir le peuple historique français devenir minoritaire sur son sol de plus en plus proche et de plus en plus réaliste. Or, je maintiens, et je pense que c'est un clivage fondamental avec Emmanuel Macron, que si demain la France est majoritairement composée d'immigrés extra-européens ou majoritairement islamiques, eh bien, elle portera le même nom, mais elle ne sera plus la même personne. Si les propositions du président vous paraissent légères, à l'inverse, celles d'Éric Zemmour en matière migratoire ne sont-elles pas trop brutales ? Hier, il a laissé entendre qu'il voulait, il souhaitait créer un ministère de la rémigration. On vous sait libre, au point de faire parfois entendre des nuances. Est-ce que vous souscrivez à ce ministère ? Qui fait tousser un si grand nombre de commentateurs. Oui, parce qu'en France, on adore s'offusquer sur les mots, ça c'est certain, mais ce qui est vrai, c'est qu'à travers ce terme de remigration et à travers cette volonté de mettre en place un ministère de la remigration, il y a simplement la volonté d'incarner et de rendre plus efficace un certain nombre de mesures qu'il a d'ores et déjà d'ailleurs annoncées, qui consistent à vouloir... arriver à terme à un solde négatif migratoire sur le sol français. Je m'explique, c'est-à-dire faire en sorte
que l'arrivée de nouveaux migrants soit réduite au strict minimum et qu'à l'inverse, il y ait un objectif de départ de près d'un million d'étrangers du sol français sur l'ensemble du mandat, qui concerne, je le précise, des personnes de nationalité étrangère qui n'ont pas vocation à rester sur le territoire. Nous pensons bien sûr aux clandestins, notamment, dont je rappelle, alors les chiffres varient selon les estimations, qui par essence sont difficiles, mais je vais prendre le chiffre, de Patrick Stéphanie, directeur de campagne de Valérie Pécresse, qui lui-même, dans son livre sur l'immigration, qu'elle n'a manifestement pas lu, précise qu'il y a 900 000... Non, c'était gratuit. Elle vous répondra. C'était gratuit. Mais on en parlera demain avec elle en débat. Donc 900 000 clandestins sur le territoire. Je pense notamment au non-renouvellement des titres de séjour, en particulier auprès des étrangers qui n'ont plus d'emploi sur le territoire français, mais également à l'égard de ceux qui seraient fichés S pour radicalisation islamiste, à l'égard des délinquants et des criminels. Je pense notamment à tous ceux qui pourraient subir une déchéance de nationalité, en particulier pour les binationaux qui, eux aussi, se sont rendus coupables d'un certain nombre de crimes et de délits sur le territoire. Et donc, l'objectif à terme, c'est qu'en effet, il y ait 1 million de personnes qui partent et en parallèle de ceux qui pourraient, de manière réduite, rentrer, arriver à un solde migratoire négatif, et donc, in fine, à ce qu'on pourrait appeler cette fameuse immigration zéro, telle que le défend aujourd'hui Éric Zemmour. Et je ne crois pas, pour répondre à cette attaque sur la brutalité, que la fermeté soit de la brutalité. La situation est extrêmement grave, elle appelle des mesures extrêmement fermes, et donc, à ce titre, je suis heureuse de soutenir ce candidat qui a le courage de faire et n'a pas peur des mots. Nous avons déjà largement dépassé notre temps de parole et donc avant d'être rappelé à l'ordre, je vais me permettre deux petites questions, si c'est possible. Une première, suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, Emmanuel Macron a évoqué un tournant dans l'histoire de l'Europe et a déclaré à Versailles, recevant d'autres chefs d'État, que l'Europe a changé sous le coup de la pandémie, elle va changer plus vite encore et plus fort sous le coup de la guerre. Qu'est-ce que cela laisse entendre? Qu'est-ce que cela vous fait craindre? Et que défendez-vous à l'inverse? Donc on est reparti pour un nouveau quart d'heure, là, je vous préviens. Non, on va essayer de faire ça en deux minutes. Alors essayons de faire en deux minutes. Très intéressant, les leçons sur l'Ukraine, il y aurait beaucoup à en tirer, notamment sur la diplomatie française, sur la question de l'Europe, sur la question du monde multipolaire. Ce qui est certain aujourd'hui, et j'y viens et j'en parle à l'instant, c'est que le monde multipolaire est en train d'émerger. On le voit, nous ne sommes pas face à une hégémonie, on va dire, du bloc occidental à travers les démocraties libérales. Nous sommes face à un monde maintenant clivé. On voit que la Chine, notamment l'Inde, le Brésil, de nombreux pays africains ne se sont pas alignés sur la vision occidentale du conflit russo-ukrainien, mais au contraire, on semble-t-il peu ou prou soutenu la Russie ou en tout cas refusé de condamner. Ce qui nous laisse entendre qu'il est absolument indispensable aujourd'hui que la France garde une voix indépendante et une voix autonome pour pouvoir être écoutée et entendue à travers le monde et ne pas se transformer en médiateur impuissant tel qu'on a pu le voir avec Emmanuel Macron dans différents dossiers, le dossier ukrainien, mais aussi le dossier libanais, le dossier malien, le dossier des sous-marins nucléaires australiens, l'incapacité qu'il a eue à convaincre notamment Donald Trump, malgré des grandes embrassades, de revenir sur son retrait sur les accords iraniens notamment. Donc beaucoup d'agitation et surtout un échec à mon avis important de ce point de vue-là, qui nous entraîne dans une chimère et qui nous fait perdre beaucoup de temps, c'est le fait qu'Emmanuel Macron voit à travers la question de la défense européenne, le levier de notre autonomie militaire et diplomatique. Alors moi, je suis tout à fait séduite sur le papier par l'idée d'avoir une puissance européenne indépendante et autonome. Le problème, c'est que cette vision d'une défense européenne et autonome par rapport à la puissance chinoise ou la puissance russe ou la puissance américaine est une vision totalement minoritaire en Europe, que personne ne partage à l'exception d'Emmanuel Macron. Preuve en est, je vous donne un exemple, le jour même du sommet européen où Emmanuel Macron défendait cette vision,
le Premier ministre néerlandais qui était présent pour l'occasion s'est rendu à Sciences Po, et non pas à l'ICEP malheureusement, mais à Sciences Po, pour défendre sa vision de l'autonomie stratégique. Et ce Premier ministre, à cette occasion, dit l'OTAN restera la pierre angulaire de la sécurité européenne, et il nous faut donc renforcer l'OTAN et renforcer la défense européenne. Ce qui signifie qu'en réalité, ce conflit russo-ukrainien ne va malheureusement pas nous faire aller vers davantage d'indépendance sur le plan européen, mais vers un renforcement de la jambe européenne de l'OTAN, avec pour conséquence immédiate, et on le voit d'ores et déjà, une multiplication des commandes de matériel américain. On l'a vu avec la Pologne, on l'a vu avec l'Allemagne qui vient de commander des avions de combat américains en lieu et place des avions de combat français, et au détriment d'ailleurs du projet de développement de l'avion en cours SCAF franco-allemand. Donc c'est cette direction qui est prise. Et donc quelle est la solution par rapport à cela ? C'est non pas de courir derrière une chimère qui aujourd'hui manifestement ne prend pas corps, ce n'est pas de courir derrière l'idée d'une armée européenne qui signifierait mécaniquement diplomatie européenne, donc impuissance européenne, parce que les pays en réalité n'ont pas du tout la même vision géopolitique du monde parmi les 27, mais c'est redonner une capacité à notre outil militaire de répondre à un conflit de haute intensité, donc réinvestir massivement dans l'armée, comme ça n'a malheureusement pas été suffisamment fait, et redonner cette capacité à la France de pouvoir se projeter de manière autonome sur des territoires étrangers pour défendre ses intérêts et non pas pour défendre une espèce d'utopie de défense européenne alignée sur des intérêts américains ou autres, car ce n'est pas l'intérêt de la France. Une dernière question, Marion Maréchal. En 2017, déjà, on disait d'Emmanuel Macron qu'il était le candidat de la fin de la France, de la liquidation de la France. Est-ce que, 5 ans plus tard, la France existe toujours ? La France est toujours là, pas forcément en très bon état. Mais est-ce que ça ne rend pas encore plus difficile les discours un petit peu alarmistes, catastrophistes, qui nous promettent toujours un petit peu la fin de la France avec Emmanuel Macron ou sans Emmanuel Macron ? Est-ce que la France est toujours là ? Je crois, non. Cette salle en est la preuve. Non, je crois que fort heureusement, la France est toujours là, et la vitalité politique à l'œuvre durant ces 5 années avec laquelle s'est manifesté le peuple français à travers notamment, je ne parle pas des excès de violence ultra-minoritaire, notamment conduits par les Black Blocs ou autres, mais qu'on a vu sur ces ronds-points, prouve que les Français ont encore de quoi répondre et que ça reste un peuple politique et engagé. Donc, vous savez, j'ai souvent entendu dire une espèce de nostalgie parfois dans le camp national d'expliquer qu'il serait trop tard et que finalement le combat serait perdu d'avance. Et or, je suis convaincue déjà qu'il n'est jamais trop tard pour essayer, c'est une première chose. Et par ailleurs, je suis aussi absolument convaincue que les combats perdus d'avance sont surtout ceux qui ne sont pas menés. Et en l'occurrence, et en ce qui concerne le combat auquel j'appartiens, il reste encore 20 jours... Et en 20 jours, on peut en faire des choses. Nous l'aurons compris. Un grand merci, Marion Maréchal.
finances actuelles, est-ce que vous êtes chaud? Notre prochaine invitée est une femme. Oui, encore une. Elle rêve de devenir la première présidente de la République française. Vous la connaissez aussi parce qu'elle est présidente de la région Île-de-France. Elle sera interrogée par Geoffroy Lejeune, directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles. Je vous demande d'applaudir Valérie Pécresse. Bonsoir, bonsoir Valérie Pécresse. Bonjour, bonsoir. Merci infiniment. Alors, on va commencer tout de suite par une petite mise au point. Pardon, pardon, je suis désolé, mais si vous voulez que ce débat consiste à faire des batailles bâbord tribord entre Valérie présidente et des sifflets, on va avoir un temps de parole très limité et on a beaucoup de questions à poser à Valérie Pécresse ce soir. Moi, je voudrais juste commencer par dire quelque chose, c'est que je vous remercie d'être là. Je vous remercie d'être là parce que c'était pas évident. Vous saviez que vous preniez un risque en venant en parler devant nous. Et je témoigne d'une chose, c'est que en réalité, puisque j'ai la chance de vous connaître depuis quelques années, souvent je vous ai interviewé, on a discuté, etc., que contrairement, enfin, c'est un trait de caractère qui n'apparaît pas souvent chez vous dans votre image publique, mais en fait vous n'avez pas peur de la confrontation, de la castagne, et c'est pour ça qu'on est là ce soir, ça va être un peu rock'n'roll, mais merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté cette invitation. Et merci à vous. Et je vais mettre les pieds dans le plat tout de suite. Si vous peux dire là... un petit mot, Geoffroy? Oui, pardon, bien sûr. Avant que vous mettiez les pieds dans le plat. Allez-y. Quand on a tenu 9 mois face à la rue, face aux étudiants gauchistes, et qu'on a fait 70 évacuations de fac, on n'a pas peur de venir débattre. Donc là, vous faites référence à quand vous étiez ministre de l'enseignement supérieur, j'imagine. Absolument. Vous vous souvenez bien. Non, mais vous auriez pu raconter la fête de l'UMA. Enfin, il y a d'autres anecdotes, je les connais, en fait, parce que vous me les avez racontées. Moi, ce que je voudrais vous demander en premier, c'est... Oui, je suis allée à la fête de l'UMA pour dire qu'il ne fallait pas dire qu'il y avait des violences policières et qu'il ne fallait pas faire insulter les policiers. Et du coup, ça s'est mal passé. Malgré tout... Ils n'étaient pas très contents. Malgré tout, donc merci d'être là, malgré tout, le vrai sujet de notre discussion ce soir, ça va être en fait la déception de l'électorat naturel de la droite vis-à-vis du parti dont vous êtes aujourd'hui la candidate, à savoir les Républicains, hier l'UMP. J'ai envie de vous demander pour commencer, puisque vous n'êtes pas dupe en réalité, vous avez vu l'évolution des scores de Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Fillon, puis aujourd'hui des Républicains dans les dernières élections, même si les régionales ont été bonnes, mais c'est un climat particulier. En fait, j'ai envie de vous demander d'abord pour commencer si vous la comprenez, cette déception, et si oui, à quoi vous l'attribuez? Alors d'abord, je vais être honnête, c'est vrai qu'on n'a pas tout fait, et on n'a pas tout fait bien. Et c'est vrai que nos électeurs attendaient sans doute plus de nous. Mais il faut quand même se souvenir de 2017. Et cette élection, elle a été volée à la droite. Et c'est ça la vérité. Et moi, si je suis là ce soir, c'est parce que j'ai l'impression qu'on est en train de refaire le scénario de 2017. J'ai l'impression qu'on est en train d'essayer de voler cette élection. J'ai l'impression qu'Emmanuel Macron est en train de se dérober à cette élection. Et moi, ce que je veux, c'est que les Français se réveillent et qu'ils se disent que les 10 avril et 24 avril, c'est le destin de la France qui va se jouer. Et que la question, ça va être, est-ce que demain, on sera encore une grande puissance souveraine? Est-ce que demain, on sera encore une grande nation unis autour d'un certain nombre de valeurs? Eh bien, c'est ça les questions. Et il faut à un moment donné qu'on aille réveiller les Français. Et c'est aussi pour ça que je suis venue débattre avec vous ce soir, parce que vous avez aussi l'audace de poser ces questions fondamentales. On a tellement de médias aujourd'hui qui sont là que pour passer la brosse à reluire. On a un président de la République qui refuse de débattre. Il n'est pas là ce soir, c'est normal. Il va dans des salles,
avec des gens triés. Là, on a pu remarquer que j'avais pas trié la salle. Hein. Et il y va, avec des questions posées à l'avance pour être sûr de pouvoir répondre. Je suis désolée, je suis venue sans papier. Donc je ne sais pas quelles questions vous allez me poser et je suis prête à tout y répondre. Non mais c'est quand même dingue. Franchement, d'habitude, quand il y a une élection, quand il y a un sortant, il vient et il dit écoutez, voilà mon bilan. Alors c'est vrai que la droite n'a pas tout bien fait. C'est vrai que peut-être on aurait dû faire plus. Mais en 2012, quand Nicolas Sarkozy il est allé à l'élection, il est allé avec son bilan. Et il a dit, voilà ce que j'ai fait, et voilà ce que je vais faire pour la France. Là, on n'a même plus de débat, on n'a rien. Alors moi, je vous le dis quand même, ne vous laissez pas voler cette élection. Et franchement, demandez des débats, demandez le bilan, demandez aussi le projet, hein, parce que le projet, 3 heures de conférence de presse et on l'attend toujours. Alors, honnêtement, je suis d'accord avec vous sur le fait que le débat est très important, mais ici, je pense que le bilan de Macron n'est pas vraiment un sujet de débat et que ça met tout le monde d'accord. Mais dans l'absolu, oui, c'est mais vrai. Là, dans il y a des vrai. Influenceurs qui peuvent aussi aller influencer. Et bien sûr, parce que vous avez raison. Et c'est ça leur rôle. Mais je rebondis, on va s'intéresser, disons, oublions la partie de l'électorat de la droite qui a déserté pour Emmanuel Macron. Ça a été symbolisé très récemment par Éric Woerth qui a quitté votre parti pour rejoindre le président de la République. Il y en a c'est eu d'autres. Une trahison et il s'est renié lui-même. Et à la limite, ne nous intéressons pas à lui. Moi, la question que je voulais vous poser, c'est... C'est renié parce qu'il a dit pendant 4 ans, Éric Woerth a dit qu'Emmanuel Macron cramait la caisse, ce qui est quelque chose que je pense fondamentalement. Pendant 4 ans, il a dit qu'il creusait les déficits et la dette. Et là, aujourd'hui, il le rejoint. Et vous savez, c'est difficile pour moi parce qu'en 2017, il avait un candidat en marche contre lui. Entre les deux tours, il m'a appelé. Et il m'a dit, Valérie, il faut que quelqu'un vienne me soutenir parce que l'élection est très, très difficile. J'ai un candidat en marche, il faut venir. Il restait quelques jours. Je suis allée à Senlis, à l'époque, dans l'Oise, et j'ai fait toute la journée avec lui. On a fait toute la bilan porte à porte. On a même été distribuer des tracts pas loin du centre commercial. Et il est passé à 51,6% des voix. 51,6% des voix. Donc moi, j'étais là pour lui. Et lui, il n'est plus là pour moi. Alors, laissons le pauvre Éric Woerth de côté et surtout laissons la question des trahisons personnelles ou des changements de parti, etc. de côté. Moi, la question que je voulais vous poser, c'est comment vous expliquez, sur quel sujet précis, et j'ai une petite idée de la réponse, mais vous comprenez, vous analysez le fait qu'une grande partie de l'électorat, disons si on s'arrête à 2007 en remontant dans le temps, de l'électorat de Nicolas Sarkozy à l'époque, qui avait mis Jean-Marie Le Pen à 10%, enfin c'était une situation qui ne s'est jamais reproduite, est reparti au Front National puis au Rassemblement National, où aujourd'hui trouve une réponse dans l'offre politique créée par Éric Zemmour, c'est-à-dire en gros le rapport de force entre la droite et ce qui est sur sa droite s'est inversé complètement. Comment vous expliquez ça ? Quelles ont été, selon vous, les déceptions, les trahisons, les renoncements de la droite qui ont expliqué qu'aujourd'hui, vous soyez dans cette situation ? Écoutez, d'abord, je pense qu'il faut vraiment qu'on réussisse, nous, les Républicains, à montrer que, clairement, on est en programme avec un programme totalement de rupture avec Emmanuel Macron. Parce que c'est ça, la réalité. Mais c'est ça, la réalité. Il y a les différences... Les différences sont colossales. Non. Les différences sont colossales. D'abord, il y a une différence de vision de la France. Moi, ma France, notre France, elle est une et indivisible. C'est pas une addition de communautés. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas des cultures en France. Il n'y a qu'une seule culture française. Nous, jamais, on accuserait la France d'avoir commis un crime contre l'humanité en Algérie. C'est pas notre vision de la France. Donc, sur tous ces sujets-là, et puis nous, on ne veut pas déconstruire l'histoire de France. Nous, on est la droite. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. On n'a pas la même vision de la France qu'Emmanuel Macron. La deuxième chose, c'est qu'on n'a pas la même vision des Français. Moi, dans ma vision de la France, qui est une vision gaulliste sociale, il n'y a pas des Français qui ne sont rien. Et jamais, jamais, au grand jamais, vous m'entendrez dire à un seul de mes compatriotes qu'il n'a pas de dignité. Donc ça, c'est une différence. Et puis par ailleurs, jamais nous ne dirions que nous voulons emmerder certaines catégories de Français. Nous, on est plutôt comme Pompidou. Nous, on voudrait plutôt qu'on arrête de les emmerder et qu'on débureaucratise et qu'on simplifie. Donc il y a une vraie différence de vision. Et si on va ensuite sur les projets, c'est très intéressant. Chut. Je veux bien...
S'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, mais vous avez le droit aussi de m'écouter. Moi, je vous respecte, donc je viens vous parler. Je suis sûre que la courtoisie et la politesse font partie de vos valeurs. En tout cas, ça fait partie des miennes. Alors, sur le fond du projet, on a un président de la République qui est quand même totalement dans le déni des questions d'ordre et de la crise d'autorité dans laquelle est le pays. Et sur les questions d'ordre et de régalien, alors c'est vrai qu'on n'a pas forcément les mêmes réponses. La droite, l'extrême droite, c'est pas tout à fait les mêmes réponses. Je le dis ici clairement, parce que nous, nous avons des réponses qui sont efficaces et qui ne sont pas brutales. Efficace et pas brutale, ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sur l'immigration, il faut stopper l'immigration incontrôlée. Mais que pour la stopper, il faut avoir un levier. Ce levier, pour moi, c'est les quotas migratoires. Quotas migratoires par pays et par type d'immigration. S'il vous plaît, vraiment. Et ça permet quoi ? Franchement, c'est une vraie différence avec Emmanuel Macron. Lui, il est dans le laisser-faire, laisser-passer. Les quotas migratoires, quel est le principe ? Quel est le principe ? Les clandestins doivent rentrer chez eux. Pour qu'ils rentrent chez eux, il faut un donnant-donnant avec les pays d'origine, zéro visa pour les pays qui ne reprennent pas leurs clandestins, zéro visa de travail, zéro visa familiaux, zéro visa étudiant. Et puis, ce que nous disons aussi sur les sujets de sécurité, si je prends les sujets de sécurité, c'est que maintenant il faut un plan hors sec pour la justice, parce que la sécurité, c'est pas une jambe. La police qui fait vaillamment et la gendarmerie, nos forces de l'ordre qui font vaillamment leur travail et de l'autre côté, une absence de sanctions. Emmanuel Macron a clairement un problème avec la sanction. Nous non. Nous non. Nous, on est la droite et on veut l'impunité zéro et c'est pour ça qu'on veut faire un plan hors sec pour la justice, c'est pour ça qu'on veut rétablir les peines planchers et c'est pour ça que je mettrai dans la Constitution la possibilité d'avoir des peines fermes minimales d'un an pour toutes les personnes qui s'attaqueront à des dépositaires de l'autorité publique, policiers, gendarmes, maires, professeurs, médecins. Parce qu'à un moment donné, il faut des réponses très fermes. Alors c'est vrai que je vais être obligée de modifier la Constitution, être obligée de la modifier sur l'immigration, être obligée de la modifier sur la sécurité, être aussi obligée de la modifier pour lutter contre l'islamisme. Troisième sujet sur lequel Emmanuel Macron n'apporte que des réponses très angéliques. Il s'est passé quelque chose cette semaine quand même qui était un petit peu... Il vous a fait un baiser du dard en disant qu'il serait très heureux si vous veniez travailler avec lui. Ça, on comprend l'intérêt stratégique. Je crois que vous avez écarté cette possibilité. Mais vous, vous avez, entre guillemets, joué... Enfin, vous êtes un peu tombé dans ce piège en disant que, quand il a annoncé son programme, que finalement, il reprenait vos idées. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes en train d'expliquer que vous n'avez pas du tout le même programme que lui, tout en l'accusant de reprendre le vôtre. Non, alors je vous explique les choses. D'abord, Emmanuel Macron est un cynique, vous l'avez bien compris, de toutes les façons, que ce soit sur le nucléaire, que ce soit sur les retraites, que ce soit sur l'agriculture, que ce soit même sur les questions migratoires, de toutes les façons, il est prêt à dire tout et le contraire de tout. Il est prêt à dire à nos forces de police qu'elles font un travail formidable, le lendemain à dire « oui, il y a des violences policières ». Un président de la République ne devrait jamais dire ça. Dire qu'il y a des violences policières, c'est dire que l'institution policière est violente. Jamais un président de la République ne doit dire ça. Moi, je serai indéfectiblement au soutien de nos forces de l'ordre. Emmanuel Macron est machiavélique et cynique. Donc cette ritournelle de « Ah, ils feraient tous des super ministres, ah, on pourrait tous travailler ensemble », mais ça fait des années que je l'entends. Mais moi, je voudrais vous parler de la réalité vraie. La réalité vraie, c'est que je suis la femme à abattre depuis janvier. Je suis la femme contre laquelle se concentrent toutes les attaques d'En Marche depuis janvier. Toutes les attaques. Ah ben alors là... Absolument, absolument. Et d'ailleurs, je vous en donne une preuve. Qui a eu 5 ministres du gouvernement contre elle au régional ? Quel autre président de région ? 2 présidents de région, Xavier Bertrand et moi. Pourquoi ? Parce qu'on avait une chance de gagner contre Macron.
Voilà pourquoi on a eu 5 ministres du gouvernement qui ont été au régional contre nous pour nous faire perdre. Parce qu'à l'époque, ils pensaient nous mettre à genoux et parce qu'on était les 2 candidats qu'ils redoutaient le plus et qu'ils voulaient absolument faire battre. C'est ça la réalité de mon rapport avec Emmanuel Macron. Mon rapport avec Emmanuel Macron, c'est qu'il a peur qu'on gagne. Et il veut nous faire perdre parce qu'il sait que la droite républicaine, eh bien, c'est elle qui présente un projet d'alternance qui peut gagner. Et que malheureusement, Marine Le Pen, ça fait la 8e fois qu'un Le Pen se présente aux élections nationales. Si les Français en voulaient, je pense que ce serait déjà fait. Et quant à Éric Zemmour, que certains ici, visiblement, aiment beaucoup, je ne crois pas non plus qu'ils soient en mesure de gagner. Donc le sujet aujourd'hui pour eux, c'est de nous abattre en faisant évidemment cette petite musique qui est de dire que nous avons le même programme. Alors sur le programme, j'y reviens. Sur le programme, il est très différent sur l'ordre, je crois que je vous l'ai démontré, ou à peu près. Il est aussi très différent sur l'ampleur des réformes. Oui, mais c'est quand même important, je le dis pour ceux qui nous écoutent. Les réformes, c'est quelque chose de vraiment important. Nous avons 1000 milliards de dettes de plus qu'il y a 10 ans. 1000 milliards de dettes de plus. Et aujourd'hui, beaucoup de candidats continuent de proposer plein de dépenses et aucune est mise en face. Moi, j'ai le courage de reprendre toutes les réformes qu'à l'époque, François Fillon, la droite, avait voulu mettre en place en 2017, qu'on n'a pas pu mettre en place parce qu'on a perdu les élections. Je pense évidemment à la réforme des retraites, je pense à la réforme de l'assurance chômage, avec la dégressivité de l'assurance chômage, je pense à la réforme de l'État. Je suis la seule dans cette campagne qui a le courage de dire qu'il faudra dépenser moins et dépenser mieux et qu'aujourd'hui on gaspille et qu'il faudra supprimer des postes de fonctionnaires dans l'administration administrante pour en recréer là où on en a besoin, dans la justice, dans l'école et dans l'hôpital, et que cet argent économisé il permettra d'avoir moins de fonctionnaires mieux payés. Mais je suis la seule aujourd'hui, alors évidemment, à dire que je veux une grande décentralisation, parce que plus on est proche du terrain, mieux on fait. Et la crise Covid l'a montré, quand l'État a voulu faire, il s'est planté. On est face à un enfer bureaucratique qui ligote aujourd'hui la France et il va falloir le libérer la France de cet enfer bureaucratique. Sur tous ces sujets-là, moi, je n'entends pas d'autres candidats en parler. Cette dette pour les générations futures, c'est des impôts demain. Ou alors de l'inflation galopante. Vous voyez comme moi le compteur qui tourne. J'ai encore 2 questions à vous poser. Et on ne pourra pas être très long, s'il vous plaît. Pardon. Il y a beaucoup de gens qui sont venus écouter les réponses des gens. Et honnêtement, même sur scène, on ne s'entend pas. C'est un peu... désolé. Hein. La première, c'est... Il y a un autre reproche qui vous est fait régulièrement. C'est une forme d'hypocrisie consistant à vous démarquer d'Emmanuel Macron au premier tour. Et si vous n'étiez pas qualifié au second tour, je dis bien si vous n'étiez pas qualifié au second tour, parce que tout le monde répond « je serai au second tour », d'appeler à voter pour lui à la minute où vous serez battu. Je rappelle que, je dis ça malgré toute l'amitié que j'ai pour lui, François Fillon a fait exactement ça et que ça peut être une forme de traumatisme pour un électorat de droite. Pourquoi ? Enfin, est-ce que vous allez faire ça en réalité ? Est-ce que si vous étiez battu, vous appelleriez à voter pour lui dans la seconde ? Mais monsieur le jeune, moi je vais vous dire quelque chose. On ne va pas dans une élection en pensant la perdre. Moi j'ai été la surprise de toutes les élections auxquelles je me suis présentée. Ma première élection législative, j'étais contre le général Philippe Morillon, certains s'en souviennent, et j'étais donnée perdante dans les sondages. Ensuite, il y a eu l'élection régionale où Claude Barthelone était le grand favori. D'ailleurs, vous vous souvenez peut-être qu'à l'époque, il avait commencé d'ailleurs à faire un petit début de wokisme. C'était le début du woke. Le début du woke. C'était Valérie Pécresse défend la race blanche. Vous vous souvenez de ce moment de campagne très puissant qui montrait vraiment la duplicité du personnage. Donc, au régional, pareille surprise. Au primaire de la droite, pareille surprise. Donc, moi, je veux être la surprise du
second tour, mes amis. Et je ne crois pas au sondage. Et je vais vous dire, il y a beaucoup de choses qui me séparent de certains d'entre vous. Il y a beaucoup de choses qui me séparent de certains d'entre vous, mais il y a au moins une chose qui nous rassemble. C'est que si on est là ce soir, c'est parce qu'on veut plus d'Emmanuel Macron, on veut remplacer Emmanuel Macron et qu'on ne croit pas au sondage et qu'on ne veut pas se faire voler cette élection. Ça au moins, c'est trois points d'accord entre nous. Merci Valérie Pécresse d'avoir accepté le risque de venir parler devant une salle qui ne vous était pas nécessairement acquise. Je rappelle quand même que ce n'est pas un meeting, donc les candidats qui viennent ne savent pas comment ils seront accueillis. Merci donc d'avoir pris ce risque. Mais de toutes les façons, l'objectif, on l'a compris, c'est que la France ne peut pas supporter 5 ans de plus d'Emmanuel Macron. Merci, merci. Très important. Merci beaucoup. Lecteur de Valeurs Actuelles, Boulevard Voltaire, spectateur de CNews, auditeur de Sub Radio, vous n'êtes que de sales racistes et des homophobes. C'est du moins la conviction d'un groupe que l'on nomme les Sleeping Giants. Ces derniers veulent détruire vos médias en s'attaquant à leurs ressources publicitaires. Comment font-ils? Sur Twitter, ils interpellent publiquement les annonceurs en leur demandant de retirer immédiatement leur publicité et le financement d'un soi-disant discours de haine. Cette stratégie fonctionne malheureusement, puisque plusieurs entreprises ont déjà abdiqué, craignant pour leur réputation. Voici la raison pour laquelle nous nous tenons devant vous. Ensemble, nous pouvons couler ces pirates de la démocratie en vous inscrivant sur le site corsairdefrance.com. À chaque fois qu'une marque sera attaquée par les Sleeping Giants, vous recevrez sur votre téléphone ou votre mail des propositions de tweets que vous pourrez en quelques secondes poster automatiquement pour soutenir l'annonceur et l'encourager à respecter la liberté d'expression. Déjà 8000 corsaires se sont inscrits, mais nous devons être plus nombreux pour leur porter le coup de grâce. Si nous ne faisons rien, des soirées comme celle-ci n'auront bientôt plus lieu. Ne vous laissez plus insulter au nom de vos convictions. Nous vous attendons sur les flots. Branle-bas de combat et pas de quartier.
Est-ce que vous connaissez VA+ ? Oula ! Qui connaît VA+ ? Alors, vous connaissez peut-être nos visages. Nous avons créé VA+ il y a maintenant un an et demi, avec Raphaël Deberle, Georges Mataran et Armelle de Marsac. Aujourd'hui, VA+ a grandi et a occupé un espace qui était absent. Il y avait une forte demande. VA+ aujourd'hui, c'est 300 000 abonnés. Grâce à vous, on vient de passer la barre des 300 000 ce soir. Un grand merci. Et c'est aussi 70 millions de vues. Deux étapes importantes qui nous poussent aujourd'hui à plus investir encore pour faire de VA+ un média incontournable. On va vous parler aujourd'hui de notre offre payante. Car les vidéos, la vidéo en général, on en voit partout sur Internet. Vous connaissez Brut, vous connaissez Combini, vous connaissez Loopsider, très progressiste, très bien pensant. Et VA+ est venu prendre une place qui était laissée absente par les idées, par nos idées, par les idées connectées au réel. Car l'info, ce n'est pas gratuit. Donc on va vous présenter maintenant ce qui nous attend sur VA+ avec Armel. Et oui, Baudouin, effectivement, ça fait un an que vous nous demandez comment est-ce qu'on peut vous aider. Vous essayez de nous soutenir financièrement et jusque-là, on s'est toujours refusé à accepter vos dons parce qu'on voulait vous proposer des contreparties de qualité. Et ça y est, après un an et demi de travail, on les a enfin. Ah ouais, moi, plus près ? Let's go ! Et après un an et demi de boulot, c'est bon, on a ces contreparties. On les a regroupés dans une offre, l'offre VOD, et on la lance très bientôt fin mars. Et cette offre, concrètement, vous allez y retrouver tous les formats que vous adorez, toujours gratuits, mais dans un nouvel écran, un studio qui est toujours en cours de réfection, que vous découvrirez très bientôt, mais également des nouveaux formats, comme par exemple l'émission live. Vous retrouverez chaque semaine une émission d'une heure, une heure et demie, avec les gens qui font l'actualité, avec nous. Une émission dont vous pourrez changer le cours, à laquelle vous pourrez participer, parce qu'on croit qu'aujourd'hui sur Internet, si on fait des vidéos, c'est aussi pour pouvoir vous retrouver, pour vous permettre d'y participer. Donc ce seront des émissions interactives dont vous pourrez changer le cours. Et puis, bien sûr, on a ces formats qui collent très près à l'actualité, mais on a aussi des documentaires exclusifs qui nous permettront de temps en temps de prendre le temps de traiter de sujets peut-être qui font moins l'actualité, qui sont moins chauds, mais qui sont tout aussi importants à nos yeux. Donc des documentaires que vous retrouverez également dans cette offre VOD. Donc vous pourrez la découvrir dès le 31 mars. Il y aura plusieurs paliers d'abonnement. Et en vous abonnant à VA+, vous nous permettez, vous nous donnez les moyens que VA+, que Valeurs Actuelles deviennent un incontournable du direct, de la vidéo et des enquêtes sur Internet. Merci beaucoup. Let's go! Vous le connaissez en tant qu'écrivain, en tant qu'essayiste, en tant que chroniqueur. Merci d'accueillir Eric. Eric. Bonsoir à tous. Black. I see
my red door, I must have it into black. Maybe then I'll fade away if I have to face the facts. Merci à vous tous. Merci. Merci beaucoup, Éric Zemmour, d'avoir pris ce soir le risque de venir devant cette salle. Un risque majeur. Et je vais commencer peut-être par une petite question d'actualité avant de parler de notre interview. C'est sur cette histoire de remigration. Moi aussi. Parce que vous parlez depuis le début de la campagne de toutes les mesures contre l'immigration que vous souhaitez prendre. Vous êtes un peu, c'est un peu le mantra de votre campagne, puisque je dis mantra, pas obsession. Comme ça, je ne suis pas dans la psychologisation. Et en fait, vous venez de les résumer, c'est le sentiment que j'ai eu, dans un emballage, disons, qui s'appelle la remigration. Pourquoi maintenant et pourquoi ce terme? Si vous voulez, effectivement, vous avez raison. C'est un peu le résumé de toutes les mesures qu'on a prises. Qu'est-ce que c'est que la remigration? C'est le renvoi des gens dont on ne veut plus. C'est pas... vous savez, on pourrait prendre une image personnelle. Imaginez, je viens... Vous savez que les mêmes ont déjà fait le coup en 2019 pour la même soirée des européennes organisée par Valeurs Actuelles. Donc c'est en fait c'est un rituel. Ça nous aurait manqué si elle n'était pas venue. Donc je disais, mon cher Geoffroy, imaginez, on vient chez vous, je viens chez vous, vous m'invitez, vous me nourrissez, vous me logez, vous me donnez, vous m'aidez à m'habiller, etc. Et puis, soudain, je trouve que votre mobilier est moche, je le saccage, je vous impose d'en acheter un autre, puis j'agresse votre femme, vos enfants, etc. Qu'est-ce que vous faites? Vous me mettez dehors. C'est tout ce qu'on fera. Et voilà, on renverra les clandestins, on renverra les délinquants étrangers, on renverra les criminels étrangers, on renverra les 4000 fichiers S soupçonnés de terrorisme, de djihadisme, etc. Ça me paraît le bon sens près de chez vous. On a 80 000 étrangers condamnés tous les ans qui ne sont pas expulsés. Qu'est-ce qu'ils font là? On ne sait pas ce qu'ils font là. On a, je crois, 25 000 prisonniers étrangers 25%. Dans les prisons françaises. On doit les renvoyer. Donc c'est en gros la centralisation des moyens de l'État dédiés au respect de la loi, en fait? Exactement. D'accord. C'est le ministère du respect de la loi, d'une loi qu'on ne fait plus respecter depuis 40 ans. D'accord, ok. Alors, merci pour cette précision d'actualité. En préparant cette soirée, on a discuté avec tous les intervenants qui sont passés ce soir et qui continueront à passer, en leur demandant un peu de quoi ils voulaient parler. Et en préparant cet entretien avec votre équipe, on nous a suggéré d'avoir un entretien un peu plus intimiste. Alors moi, j'étais le premier surpris, parce que je sais... Ils m'ont pas demandé mon avis, comme d'habitude. Non, mais ça s'est fait dans votre dos, évidemment. Un entretien plus intimiste, parce que je sais que vous avez longtemps rechigné, en fait, à cet exercice, à parler de vous, à parler de ce que vous...
quartier, c'était la psychologisation, c'était à jeter. Et aujourd'hui, on y vient. Alors, la première question que je voulais vous poser, on est peut-être 6 mois après le début de votre campagne, pré-campagne. Qu'est-ce que vous retenez, qu'est-ce que vous avez ressenti en rencontrant des gens, en quittant votre statut d'éditorialiste parisien, en fait. En plus, vous êtes issu de la région Île-de-France, donc vous n'êtes pas spécialement un provincial comme Chirac, etc. Qu'est-ce que vous avez retenu de la rencontre avec des Français? Et je précise que je vous pose la question en bien, c'est-à-dire quand ils vous disent « sauvez-nous », etc., vous l'avez déjà expliqué, et en mal aussi. Qu'est-ce que vous avez entendu qui vous a un peu troublé, les reproches qu'on vous a pu vous faire, etc. Alors, vous me taquinez sur le personnel, etc. Vous avez raison. Il y a quelque chose... J'ai toujours refusé cela parce que, d'abord, je suis quelqu'un de plutôt pudique et que je pense que le débat public avait souffert, comme vous l'avez dit, comme je l'avais expliqué, de la psychologisation excessive. Maintenant, il y a une limite à cela, c'est que le président de la République, c'est une personne, on élit une personne. Et donc, effectivement, ses traits de caractère, même si... mais ces traits de caractère sont importants. Et on va en parler, j'imagine, mais je pense que les traits de caractère de chacun des candidats sont importants et d'ailleurs se sont révélés dans cette campagne. Parce qu'on n'a pas eu une vraie campagne, on a beaucoup de gens qui essaient de faire de l'image et finalement, ils se révèlent davantage qu'ils ne le croient. Mais passons. Donc, pour répondre à votre question, j'ai effectivement, vous avez raison, je suis un enfant de la banlieue, j'ai grandi à Paris. Je nuancerai simplement votre propos en disant que j'ai appris à connaître le reste de la France, toute la France, en dehors de la région parisienne et de Paris, comme journaliste politique. J'ai beaucoup sillonné la France avant et j'observais, je restais. En plus, je parle pour les plus jeunes, à l'époque, les journaux avaient plus d'argent, donc on avait le temps de rester un peu plus de jours dans au cours des reportages, etc. On n'était pas ramené à la rédaction le jour même. Mais bon. Donc, je sillonne la France depuis septembre. Et effectivement, j'ai déjà raconté tous ces gens qui m'agrippent, qui m'accrochent, qui me disent « sauvez-nous, vous êtes notre dernière chance », etc. Bon. Ça, je crois que c'est vraiment ce qui restera de ma campagne et de tout ce que j'ai vu, parce que c'était tellement poignant et tellement vrai que c'est d'ailleurs une des raisons qui fait que je suis devant vous ce soir et que je suis candidat. Je me suis senti responsable de ces gens. Ces gens m'avaient, désigné comme le responsable pour être leur chevalier, pour les défendre. Et je ne pouvais pas me défiler. Voilà. Sinon, je pourrais vous raconter de nombreuses rencontres, de nombreuses histoires. J'ai en tête, spontanément, comme ça, à Saulieu, ce policier, vous savez, qui avait eu une histoire horrible, qui avait voulu défendre une jeune fille, qui avait été quasiment mise à mort par une trentaine de racailles qu'il avait laissées pour mort et qui avait reçu une médaille pour son comportement authentiquement héroïque et qui me les a apportées en me disant « c'est vous qui les méritez ». J'avoue que j'étais vraiment terriblement ému par ce monsieur, par son geste. J'ai voulu vraiment lui dire « non, gardez-les, je ne me sentais pas digne ». Au bout de quelques minutes, j'ai compris que je l'aurais vexé. Mmh. Et donc, j'ai accepté de les conserver. Je pourrais vous donner un autre exemple. Ce jeune homme de Grenoble, qui a à peu près 25 ans, et qui me raconte que depuis son enfance, depuis son adolescence, toute sa vie, c'est éviter ou ne pas éviter les bandes de racailles qui vont lui casser la figure et qui vont l'envoyer à l'hôpital. Pour rien, pour le plaisir de taper un bolos, comme ils disent. Je pense que vraiment, si vous voulez, ce jeune homme m'a sidéré. Je me suis rendu compte d'ailleurs à quel point on était protégés dans les quelques quartiers parisiens qui nous servent de lieux de prédilection. Il y a, vous savez, tous ces gens, je vais vous dire, des gens qui viennent me voir et qui me disent « Bon, si j'avais prévu de quitter la France, mais si vous êtes élu, je reste. »
Ou alors des gens que j'ai rencontrés à Londres ou à Genève qui me disent l'inverse. J'ai quitté la France, si vous êtes élu, je rentre. Alors... Non mais je... Non mais j'ai compris. C'est pour vous dire que cette question de l'immigration, de l'identité, hante notre peuple et hante les Français. Et évidemment, on va vous dire, les Français sont soucieux de leur pouvoir d'achat. Oui, oui, effectivement, de l'inflation, de la crise, etc. Oui, tout ça. Mais on peut très bien être soucieux de la fin du mois sans se désintéresser de la fin de la France. Au contraire. Bien sûr. Alors, j'en ai quelques-unes des questions à vous poser sur... Sur ces sujets un peu intimes, je vais pousser un peu plus loin le curseur encore. Je vous ai entendu expliquer mille fois que quand vous étiez enfant, votre mère, je crois, vous disait que la religion, c'est à la maison et qu'à l'extérieur, on ne doit pas la montrer. J'ai envie de vous demander ce qui se passe donc à la maison. C'est-à-dire, en fait, avez-vous la foi ? Est-ce que vous croyez en Dieu et pratiquez-vous votre religion ? Et en fait, je vais même une deuxième question. J'ai été frappé en suivant votre campagne par deux choses. La vidéo que vous avez publiée à Noël, vous avez parlé des racines chrétiennes de la France, etc., mais qui était un peu habitée. Et autre chose aussi, votre discours au Mont-Saint-Michel, vous avez évoqué l'idée que vous meniez un combat, c'est-à-dire, jusqu'à présent, le Éric Zemmour écrivain parlait des racines chrétiennes de la France, pour aller vite. Et maintenant, le Éric Zemmour politique parle d'un combat spirituel. Ça m'a énormément troublé. Et donc, c'est pour ça que je vous pose ces deux questions. Écoutez, j'ai été élevé dans une famille très croyante et très pieuse. C'est, si vous voulez, il faut que je vous explique, parce que ça non plus, j'aime pas trop en parler, parce que j'estime justement que la religion, oui, c'est du domaine du privé. Mais il faut que vous compreniez que dans ma famille, tous les gens, mon père, ma mère, mes grands-parents, en particulier mes grands-pères, étaient très religieux, très pratiquants, très pieux, très croyants. Ça nourrit mon univers affectif, mental. On allait régulièrement à la synagogue avec mon père. On faisait toutes les grandes fêtes juives à la maison. Ma mère pouvait les préparer pendant plusieurs jours. Je me retrouvais d'ailleurs, quand j'étais enfant, avec toute la fratrie. Et vous savez, les fratries... des pieds noirs d'Algérie. Mon grand-père avait 9 enfants. C'est vous dire que quand on se retrouvait tous à table, il y avait une trentaine ou une quarantaine de personnes. Ça faisait du bronze. Ma grand-mère était capable de préparer comme ça pendant des jours et des jours. Et il y avait les prières, il y avait la fête familiale. Donc j'ai grandi dans cet univers-là. Je suis nourri de cela. Je ne peux pas, si vous voulez, m'extraire de ça. Et d'ailleurs, j'ai continué avec mes enfants. Ça me paraissait normal, entre guillemets, vous comprenez ce que je veux dire. En tout cas, inéluctable, voilà. Vous savez, comme tout adolescent, on se révolte contre son milieu. Surtout que moi, j'explique toujours que je suis un adolescent des années 70. C'est pas rien, c'est-à-dire, c'est une époque de révolte, de rébellion contre toutes les hiérarchies, les valeurs, les religions, etc. Mais... au-delà du Éric Zemmour cheveux longs et en révolte contre son père comme un bon adolescent proustien, évidemment que je suis imprégné de ça. Et d'ailleurs, aujourd'hui, vous me dites, est-ce que je crois en Dieu ? Disons que j'ai l'impression de croire en Dieu de plus en plus. C'est-à-dire que c'est un... Je ne sais pas comment vous dire, c'est un sentiment... Vous savez, je me souviens de... Mitterrand nous avait tous frappés en 95 quand il avait dit « Je crois en force de l'esprit et je vous regarderai de là-haut ». Et à l'époque, j'avais pris ça à la rigolade. Et plus je vieillis, plus je le comprends. Quand vous savez, j'étais à mon meeting de Villepinte, il y avait ce moment incroyable avant où j'ai attendu quelques minutes avant mon entrée. Et il y avait 14 000, 15 000 personnes, peu importe. Et il y avait surtout 400 journalistes devant moi qui m'attendaient. Je vous avoue qu'à ce moment-là, j'ai pensé à mes parents et que je me suis dit, bon, ils me regardent, il ne faut pas que je les déçoive. Et il y a de plus... Vous savez...
C'est un sentiment qui nous ramène sans doute à l'enfance, hein, tout bêtement. Et moi, j'ai ce lien comme ça avec Dieu, avec la religion, avec la foi. C'est quelque chose, comment vous dire, il y a le Éric Zemmour rationnel, et il y a le Éric Zemmour qui n'est pas rationnel. C'est-à-dire, c'est pas, ils sont pas séparés, vous comprenez ce que je veux dire. Quand je débat avec quelqu'un, moi, j'ai l'habitude de faire appel à la rationalité, à l'intelligence. J'essaye de débattre le mieux possible. Je pense que les autres seront aussi loyaux que moi. J'ai tort pour la personne qui m'a précédé. Mais sinon, y a aussi quelque chose de plus personnel, de plus intime, qui fait que, par exemple, moi, vous savez, quand je vais à la synagogue avec maintenant à mon frère, ça m'éveille évidemment quelque chose. J'aime la liturgie, j'aime les chants, j'aime cette ambiance, vous voyez, qui n'est pas vraiment de l'ordre du rationnel, qui est de l'ordre de l'intemporel et du sentimental presque, j'allais dire, vous voyez, et de quelque chose qui sort de d'ailleurs. Bon. Et pareil pour ma relation au christianisme est un peu différente. C'est-à-dire que je n'ai pas été baigné dans le christianisme. Vous voyez, c'est pas mon enfance, ce n'est pas mes parents, c'est pas ma famille, voilà. Donc c'est pas mon histoire. Mais en revanche, je suis rentré, j'allais dire, dans le christianisme par la France. C'est-à-dire que en fait, quand En fait, comprenez-moi. Moi, vous savez, je suis un lecteur assidu. Et quand, à 14 ans, je lis les pensées de Pascal, que ça m'émeut aux larmes, je me dis, bon, ben, c'est le christian. Vous comprenez, c'est par la langue française, qui amène à cette pensée chrétienne. Et du coup, je me sens en symbiose. Je crois que c'est Houellebecq qui dit ça, qui a compris ça. Il a compris que j'étais ce juif et en même temps dans le christianisme. C'est quelque chose en vérité de français. Quand vous lisez Bergson, vous comprenez ce que je veux dire ? C'est quelque chose que, parce que la France est un pays qui imprègne tellement les gens de sa culture, et sa culture est tellement imprégnée de christianisme que forcément, à la fin du match, on est imprégné par le christianisme. Vous voyez, c'est logique. Compris, ouais. Donc, le christianisme a tellement imprégné la France, c'est-à-dire sa littérature, mais aussi sa musique, mais aussi ses paysages, mais aussi son architecture. Donc évidemment, quand on est partout dans le monde chrétien, quand on se veut français. Ce que j'essaye d'expliquer, ce n'est pas compris. Vous savez, quand je dis les autres religions doivent se christianiser, je ne veux pas dire que les gens doivent se convertir, c'est stupide. Mais bon, je sais qu'on me fait des procès stupides, il faut que j'en prenne mon parti. On va y venir. Mais vous comprenez ce que je veux dire ? C'est ça que je veux dire. Je veux dire que, comme la religion chrétienne a été une rupture phénoménale à l'aune de l'humanité, c'est-à-dire, en gros, avant, toutes les religions ne sont que des règles sociales. Et le christianisme impose et invente, entre guillemets, le phénomène intériorisé, c'est-à-dire la foi, ce qu'on va appeler la foi. Auparavant, tout le monde s'en moque. Il faut bien comprendre ça. Donc, évidemment, quand on rentre dans cet univers-là, eh ben, on est obligé de se christianiser un petit peu. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on se convertit, ça ne veut pas dire qu'on se renie, ça ne veut pas dire tout ça. Mais forcément, on est imprégné par cela. C'est très clair. Alors, j'ai une dernière question. On va déborder un tout petit peu du temps de parole parce qu'on a eu l'intrusion de notre ami Femen. Je voulais vous poser une question sur votre caractère. En réalité, vous avez dit on vous fait des procès absurdes. Moi, j'ai connu le Éric Zemmour, éditorialiste, écrivain, etc., qui a passé régulièrement à la moulinette médiatique. Et à l'époque, votre ligne, c'était, vous m'aviez dit à moi d'ailleurs, à l'occasion de l'affaire Obono, qui s'excuse s'accuse, il faut tenir bon. Et vous étiez sur cette ligne-là pendant des années, des années. Vous avez vécu des polémiques dans cette campagne, notamment, je pense à celle sur les enfants handicapés ou alors sur les réfugiés ukrainiens, où en fait, vous n'avez pas été exactement cet Éric Zemmour-là, parce que vous avez tout de suite
essayer de faire ce que vous ne faisiez pas spécialement avant, s'expliquer. De la pédagogie, s'expliquer, convaincre. Est-ce que vous avez changé à ce niveau-là? Est-ce que vous n'êtes plus exactement le même qu'il y a 6 mois? Et est-ce que vous avez perçu, si vous voulez, que en fait, la force de l'éditorialiste, alors vos soutiens diront sincérité, les autres diront radicalité, c'est pas un gros mot dans ma bouche, ou brutalité, certains qui vous détestent vraiment, est-ce que cette force-là n'est pas en politique en fait une faiblesse? Je ne crois pas. Je pense que ma force en politique est toujours et sera toujours la sincérité. Je pense que je dis ce que je pense. J'ai affaire à des gens qui ont menti pendant 30 ans, qui continuent à mentir, à dire blanc et noir dans la même semaine. Je ne jouerai pas ce jeu-là. Maintenant, je veux être complètement honnête avec vous, vous avez raison sur un point, c'est-à-dire que j'ai depuis 20 ans mené des combats politiques, idéologiques, et vous avez raison, je vous disais, il ne faut jamais s'excuser, il ne faut tenir, mais j'avais le temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez, il y a 10 ans, j'ai été condamné pour ma fameuse phrase « la plupart des délinquants sont arabes et noirs ». Aujourd'hui, toute la France est d'accord avec moi. Donc 10 ans après moi, toute la France. Mais je n'ai pas 10 ans. Donc effectivement, quand on exploite une phrase lapidaire sur les enfants handicapés ou sur les réfugiés ukrainiens, je n'ai pas 10 ans pour attendre que les gens me donnent raison. J'ai que quelques jours. Donc je fais en accéléré tout le travail, c'est-à-dire que j'explique, et d'ailleurs, ça marche. C'est-à-dire que pour les enfants handicapés, j'ai reçu des milliers de mails ou de lettres me disant « j'ai compris, vous avez raison, c'est exactement ce que je pensais, il faut pour les enfants handicapés qui ne peuvent pas suivre dans des écoles ordinaires, les envoyer en école spécialisée parce que c'est mieux pour eux. » Vous voyez, pareil pour les réfugiés ukrainiens. Mais c'est vrai que j'ai une seule différence avec ma situation d'éditorialiste ou d'écrivain, c'est que je n'ai pas le temps. Voilà. La campagne s'achève là en avril. Donc il faut que j'explique encore, parce qu'en plus j'ai des adversaires qui passent leur temps à mentir sur moi, à sortir n'importe quoi, sans aucun scrupule. Donc il faut que je fasse le contrepoids et que je me batte avec les armes qui me sont données. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Éric Zemmour. Merci. Merci à vous. Merci à vous tous. Merci à vous tous. À bientôt.
avant. Mesdames et messieurs, est-ce que vous êtes toujours là? J'entends rien. Il est tard, mais ça ne fait que commencer. Dans quelques minutes, nous aurons un des cadres des Républicains engagés dans la campagne de Valérie Pécresse. Puis, le jeune espoir, le jeune talent président du Rassemblement National, Jordan Bardella. En attendant, je rappelle que cette soirée est permise par vous, mais également par de généreux partenaires comme Getter, Odeya, l'Institut pour la Justice et la Manif pour tous. Merci de les applaudir. Vous avez peut-être remarqué aussi ce petit pull connecté au réel qui est la devise, le slogan de VA+. Ce pull, vous pourrez le retrouver ou des t-shirts de Valeurs Actuelles en sortant de la salle tout à l'heure. Donc n'oubliez pas, si vous voulez un beau pull comme ça, ils seront disponibles. Merci à tous. Et restez ici, ça ne fait que commencer. Il représente la branche que vous adorez aux Républicains, cette frange droitière. Il était finaliste de la primaire des Républicains. Il est aujourd'hui derrière Valérie Pécresse. Il nous vient de notre magnifique ville de Nice. Je vous prie d'accueillir chaleureusement Éric Ciotti. Il est accompagné de Tuc Duhal-Denis, directeur adjoint de la rédaction de Valeurs Actuelles. Bonsoir à tous et merci d'être encore là à cette heure tardive de la semaine. Est-ce que Paris, vous êtes encore là? Un vieux rêve que j'avais envie de réaliser un jour, de pouvoir dire cette phrase sur scène. Éric Ciotti, merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous. Surtout après une déjà longue journée, un JT de TF1 tout à l'heure. Et je crois même un déjeuner un peu particulier ce midi, si vous voulez nous dire avec qui vous avez eu l'honneur de déjeuner ce midi. Éric Ciotti? Non, c'était privé. C'était privé, bon. Monsieur Ciotti a déjeuné avec François Fillon ce midi. Merci à tous. Alors Éric Ciotti, lors du congrès des Républicains, vous avez créé l'événement, puisque déjouant certains pronostics, vous êtes arrivé premier au premier tour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rétrospectivement comment vous analysez ce résultat de ce vote interne et qu'est-ce qui a fait que vous avez pu ainsi tenir tête à l'époque à Xavier Bertrand ou Valérie Pécresse et remporter les suffrages des militants? D'abord, merci à Valeurs Actuelles, merci à sa rédaction, merci à ceux qui ont le courage d'exprimer cette liberté de parole, d'organiser ce soir ce moment qui est un moment important pour notre démocratie, pour nos libertés, tout simplement, ces paroles libres et cette volonté d'exprimer une appartenance tout simplement à la droite fait du bien et je veux en remercier Valeurs Actuelles. Merci beaucoup. Je veux dire aussi peut-être que ces valeurs de droite, oui, m'ont permise, parce que j'y adhère depuis toujours, j'y suis resté en quelques circonstances que ce soit, fidèle, eh bien ces valeurs de droite, je les ai chevillées au cœur, j'y adhère depuis mon engagement dans la vie publique et je n'ai jamais varié. J'ai toujours gardé ce cap et je pense que les militants des Républicains ont voulu aussi, peut-être à la surprise générale, déjouant les pronostics des commentateurs avisés qui avaient déjà choisi leur casting, eh bien, ont voulu démontrer qu'il y avait cette volonté d'une fierté, d'une revendication d'être de droite. J'ai porté dans cette campagne du Congrès des Républicains un cap à droite,
Mon slogan, c'était à droite pour que la France reste la France. Voilà, j'ai un peu inauguré cette formule et j'en suis fier et je la revendique. Je ne demanderai pas des droits d'auteur à d'autres, mais en tout cas, ce fut mon engagement et c'est mon engagement de toujours. Je crois que l'état de notre pays, le déclin, le déclassement que subit la France que nous aimons, cette France qui vient du fond des âges, comme le disait le général de Gaulle, qui vit, que l'avenir appelle, rajoutait-il, pour autant qu'elle sache rester fidèle à elle-même, eh bien oui, je crois que cette France que j'aime passionnément, elle a besoin des valeurs de droite. Pour moi, les valeurs de droite, c'est l'autorité, c'est l'identité, c'est la liberté. Ce sont ces trois valeurs qui ont constitué les piliers porteurs de ma campagne. Et aujourd'hui, je le dis, fort de ces valeurs, je suis heureux d'être engagé aux côtés de Valérie Pécresse pour faire en sorte qu'il y ait une vraie alternance, une vraie alternative dans notre pays. Alors, on a connu la droite décomplexée de Jean-François Copé, on a connu le sarkozysme, on a connu la campagne de François Fillon en 2017, la présidence des Républicains avec Laurent Wauquiez, votre campagne vous-même lors de la primaire, et puis maintenant la candidature de Valérie Pécresse. Est-ce que vous pouvez dire à cette salle ce soir que, pour vous, les Républicains ont trouvé leur positionnement et que les Républicains savent où ils habitent ? Oui, totalement. Je crois que nous incarnons aujourd'hui, je le dis, la seule alternative crédible, responsable, raisonnable, sérieuse à Emmanuel Macron. Et nous incarnons la seule possibilité de porter cette alternance, je le dis, parce que nous avons cette histoire, une histoire dont je suis fier. L'héritage d'une famille politique qui, depuis le général de Gaulle, Georges Pompidou, Jacques Chirac, Valéry Giscard d'Estaing, Nicolas Sarkozy, ont écrit les plus belles pages de l'histoire contemporaine et ont porté les réformes les plus fortes et les plus audacieuses. Et c'est dans cette filiation que je me situe, dans ma famille politique, et en veillant dans ma famille politique à ce que les valeurs que j'évoquais tout à l'heure, celles de l'autorité, celles de l'identité, celles de la liberté, aient toute leur place. Oui, je suis de droite, et oui, je suis bien aux Républicains, et oui, je vous le dis, seule cette famille politique pourra demain incarner une alternance responsable, sérieuse et crédible pour notre pays. Alors, Éric Ciotti, je crois que même vos adversaires politiques vous reconnaissent cette qualité. Vous êtes réputé pour être un spécialiste des questions régaliennes, comme on dit dans le jargon, des questions de sécurité, des questions de défense. Emmanuel Macron n'a pas baissé les effectifs policiers durant son quinquennat. Et pour autant, le sentiment d'insécurité, pour reprendre cette expression qui fait Florès, continue d'être persistant en France. Alors, selon vous, quelles sont les solutions, au-delà de mettre du bleu dans la rue, au-delà d'augmenter les effectifs policiers, pour résoudre de manière un peu structurante la question de l'insécurité en France ? Le constat, vous le rappelez, le constat, c'est 32% de coups et blessures volontaires en plus depuis l'élection d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire 800 faits de violences gratuites par jour. Le constat, c'est un policier ou un gendarme blessés en mission chaque heure dans notre pays. C'est un outrage subi par un policier ou un gendarme toutes les 20 minutes. Le constat, ce sont trois fois plus d'homicides et de tentatives d'homicides depuis 2012 dans notre pays. Nous le voyons, nous sommes face à une société de plus en plus violente. Alors les réponses, eh bien, j'y travaille avec beaucoup de parlementaires à l'Assemblée nationale, avec beaucoup de sénateurs. Je vois ici Valérie Boyer, je vois Nadine Morano. Je crois que nous avons aujourd'hui la capacité de porter ce projet qui répondra à ce constat qui aujourd'hui prive beaucoup de nos concitoyens, et notamment les plus fragiles, de leur liberté chaque jour. Alors, le constat, les solutions, d'abord, la réponse pénale. S'il y a autant d'insécurité, s'il y a autant de violence dans notre société, c'est parce que d'abord,
la réponse pénale est défaillante. Et puis ensuite, ou d'abord, s'il y a autant de violence dans notre société, et je fais le lien très direct, c'est parce qu'il y a trop d'immigration dans notre pays. 25% des places de prison aujourd'hui, il y en a 61 000, il y a à peu près 70 000 détenus. Dans ces 70 000 détenus, quasiment 25% sont de nationalité étrangère. Nous devons nous attaquer très clairement, si nous voulons fortement voir diminuer la délinquance et la criminalité dans notre pays, à réguler l'immigration, à diminuer l'immigration, qu'elle soit légale. 2 millions d'étrangers arrivés dans notre pays depuis l'élection de M. Macron, ou naturellement qu'elle soit illégale. Est-ce à dire, pardon, je vous coupe, mais que vous aussi, vous êtes pour un ministère de la remigration ? Je suis pour une politique claire. La remigration, ça veut rien dire. Les slogans... S'il vous plaît. Les slogans... J'entends vos réactions, mais vous ne m'empêcherez pas de dire ce que je pense. Les slogans n'apporteront pas de solution. La remigration, vous allez faire retourner des gens qui sont français dans leur pays d'origine. Tout ça, vous dites oui, mais tout ça n'est pas possible. Tout ça n'est pas réaliste. Moi, je veux porter un projet réalisable, réaliste. On peut se faire plaisir. Je ne suis pas là pour dire ce que vous avez envie d'entendre. Je suis là pour défendre des solutions raisonnables, responsables et qui sont applicables. Le reste ne relève que de slogans qui ne seront jamais, jamais appliqués. Il faut un ministère de l'Intérieur parce que c'est là où doit être gérée la politique migratoire, qui est le courage de diminuer fortement l'immigration, de faire diminuer l'immigration légale par deux, de réduire aujourd'hui le nombre de faux demandeurs d'asile qui dévoient la procédure d'asile, de mettre en place des plafonds maximaux d'immigration. Il faut un ministère de l'immigration dans le ministère de l'Intérieur qui expulse ceux qui n'ont ni droit ni titre pour résider sur le territoire national. Il faut remettre en vigueur le délit de séjour illégal. Il faut tripler le nombre de places en centre de rétention. Il faut faire en sorte que demain, nous reprenions le cours de notre destin par des propositions claires qui soient acceptées aussi par les pays sources d'émigration parce que nous leur aurons imposé des contraintes. Voilà, moi je ne suis pas là pour asséner des slogans, je suis là pour proposer, comme nous l'avons fait dans une proposition de loi constitutionnelle et dans un texte qui est chiffré, qui est précis, qui est écrit, et pour faire en sorte aussi, comme nous le proposons, de faire voter par référendum une charte constitutionnelle qui nous permettra de retrouver notre souveraineté juridique alors qu'elle nous a été très largement écornée par des directives européennes, par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, reprise avec beaucoup de zèle par le Conseil d'État ou la Cour de cassation. Nous devons retrouver notre souveraineté juridique par le biais d'une charte constitutionnelle qui sera votée dès l'automne par un référendum et qui sera jointe à la Constitution. Nous répondrons dans cette charte à toutes les problématiques, celles de l'immigration, mais aussi celles de la sécurité. Des juristes y ont travaillé, les plus éminents constitutionnalistes de notre pays. Il nous faut lever ces obstacles. Ça, c'est du travail précis, ça, c'est de la réflexion, ça, ce sont des propositions que nous mettons sur la table et que nous ferons adopter par la volonté populaire. Je suis profondément convaincu que rien ne sera possible si les Français ne le décident pas eux-mêmes, et c'est le seul moyen de le faire, c'est le référendum. Merci beaucoup. Alors pour parler d'un autre sujet sur le bilan d'Emmanuel Macron
y a eu le discours des Mureaux d'Emmanuel Macron. Et je crois que les mots que Emmanuel Macron a prononcés ce jour-là sur le séparatisme islamiste, vous pourriez les reprendre à votre compte. Il dit que c'est un projet conscient, théorisé, qui se concrétise par des écarts répétés avec les valeurs de la République, qui se traduit souvent par la constitution d'une contre-société. Alors comment allez-vous faire pour contrer politiquement Emmanuel Macron, qui, dans le discours, prononce des mots que vous pourriez prononcer vous-même sur le sujet du séparatisme islamiste ? Le problème, ce ne sont pas les mots que prononce Emmanuel Macron et dans lesquels je pourrais, vous le dites, me retrouver, ou vous pourriez vous retrouver, ou nous pourrions nous retrouver. Le problème, ce sont les actes ou l'absence d'actes, justement, que le président Macron n'a pas réalisé. J'ai regretté tout à l'heure de ne pas pouvoir débattre avec Mme Schiappa. Vous aviez prévu, vous m'aviez invité pour cela et je vous avais répondu favorablement. Elle avait préféré une uniformité, effectivement, des formes. D'organiser ce débat avec Mme Schiappa, puis je crois qu'elle n'a pas eu l'autorisation de l'Élysée. Naturellement, l'Élysée refuse tout débat. L'Élysée veut faire de cette élection présidentielle, finalement, une grande campagne de communication. Vous avez l'impression d'un hold-up démocratique un peu ou pas ? Bien sûr, bien sûr. Nous sommes à 3 semaines de cette élection présidentielle et le candidat président ou le président candidat, avec d'énormes différences entre eux d'ailleurs, fuit ce débat. Mais est-ce que le séparatisme... Il impose à ses ministres également de fuir ce débat. Éric Ciotti, est-ce que le séparatisme islamiste devrait faire partie des thèmes de campagne s'il y avait une vraie campagne ? Mais naturellement, parce que c'est sans doute la première menace qui pèse sur notre nation. Le séparatisme islamiste, c'est vouloir nous imposer par le terrorisme, par la force, par la violence, un mode de vie, des modes de vie, une culture, une identité, une histoire qui n'est pas fidèle à ce que nous sommes, à notre héritage. Un double héritage, celui d'une civilisation chrétienne et celui de la civilisation des Lumières. L'islamisme, le terrorisme, l'islamisme qui en est le vecteur, veulent nous faire entrer dans une société d'obscurantisme. Je m'y refuse et je veux dire et je veux dénoncer la lâcheté de ce pouvoir qui a refusé tout au long de ce quinquennat, comme ce fut également le cas pendant le quinquennat de François Hollande, auquel Emmanuel Macron, ne l'oublions jamais, a été étroitement associé dans toutes les décisions. Eh bien, ce quinquennat, oui, a été celui de tous les renoncements, des grandes comme des petites lâchetés. Madame Schiappa, tout à l'heure, parlait de cette loi sur le séparatisme. Oui, j'ai entendu le discours d'Emmanuel Macron au Mureaux. Je l'ai entendu aussi dans la cour de la Sorbonne, devant le cercueil de Samuel Paty, enseignant. Enseignant qui a été décapité dans un collège des Yvelines, parce que, tout simplement, il transmettait nos valeurs, il transmettait notre histoire. Je l'ai entendu devant le cercueil du colonel Arnaud Beltrame, héros français qui a donné sa vie pour sauver un otage, prisonnier d'un islamiste. Je l'ai entendu dans la cour des Invalides. Je l'ai entendu dans la cour de la préfecture de police, devant les cercueils de 4 policiers sauvagement assassinés par un islamiste. Ces mots, j'aurais pu les reprendre. Et puis, à l'Assemblée nationale, au Sénat, nous avons eu des textes qui n'avaient absolument rien à voir. Nous avons vu une extraordinaire, je le redis, lâcheté, parce que c'est pour moi le mot qui caractérise ce pouvoir dans le combat qu'il aurait dû livrer contre l'islamisme. On est lâche quand on refuse d'interdire le port du voile pour les fillettes. On est lâche quand on refuse d'interdire le port du voile pour les accompagnants scolaires, comme l'avait fait Nicolas Sarkozy. On est lâche quand on refuse d'interdire le burkini sur nos plages, dans nos piscines. Et on est lâche, enfin, comme ce fut le cas il y a 3 semaines à l'Assemblée nationale et au Sénat, d'interdire le port du voile sur les stades pour les fameuses hijabeuses. Parce que pour moi, je le dis, le voile est un étendard qui marque la conquête des âmes et des territoires.
c'est un instrument d'asservissement de la femme et j'aurais aimé que les grandes voix légitimes qui prônent l'égalité entre les hommes et les femmes, qui prônent la liberté, l'émancipation pour les femmes aient le même courage pour s'opposer et pour se lever contre ceux qui veulent voiler et masquer les femmes qui ne seraient qu'un objet de convoitise. Eh bien, ce pouvoir n'a eu le moindre courage face à ces menaces, face à ces risques. Je le dis et il faut le dénoncer. Cette loi sur le séparatisme, elle est vide. C'est une addition de mesurettes. C'est un filet d'eau tiède qui ne sera en rien en mesure d'endiguer la montée de l'islamisme que nous constatons dans nos quartiers. Selon... Eh bien, je crois que le message est passé, Éric Ciotti. Il faut quand même laisser un peu de place pour Jordan Bardella, mais je crois que le message est bien passé si j'entends les réactions de la salle. Je vous remercie beaucoup d'avoir pu dérouler ce soir des propositions concrètes, des arguments sans faux-semblants, et pour votre présence précieuse pour nous. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour Éric Ciotti. Merci. Avant de pouvoir laisser la place au président du Rassemblement National, Jordan Bardella. Merci à tous. Stay in the sun where I find. I know it's hard sometimes. Pieces of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. Les Éveilleurs, c'est une association nationale qui organise des grands événements comme celui de ce soir. Nous invitons des grandes personnalités du monde politique sur des sujets d'actualité pour débattre et reconstruire les idées de la droite. Les Éveilleurs sont nés d'une nécessité et d'une conviction. Le combat culturel et la formation précèdent tous les combats politiques. Quand on présente les Éveilleurs, on a l'habitude de citer cette phrase d'Albert Camus. Chaque génération se croit vouée à refaire le monde. La nôtre sait qu'elle ne le refera pas, mais sa tâche est peut-être plus importante encore. Son rôle est d'empêcher que le monde se défasse. Nous avons une armée de bénévoles. Accueil des participants, accueil bien sûr de nos invités, mais aussi de la sécurité et des médias. Devant le succès de nos soirées et de nos événements, nous avons décidé de nous implanter à Lyon pour organiser le même type de soirée. On a mis en place des outils de communication moderne qui nous permettent maintenant désormais à toute une génération de relever la tête, de pouvoir s'assumer, d'assumer des idées qui sont celles depuis toujours de la droite, la famille, l'identité, la fierté de ses racines, le devoir de la transmission. Nous avons mis en avant toutes ces valeurs parce qu'elles sont fondamentales. Le personnel politique, depuis trop longtemps, l'a abandonné. Nous voulons permettre à cette génération de s'assumer. L'action et l'engagement ne sont pas réservés seulement à quelques-uns. Qui pourra se plaindre demain d'avoir tout perdu s'il n'a pas pris le temps de se former ou eu le courage de résister? Sur nos événements les plus importants comme le Cirque d'hiver ou le Grand Débat des Valeurs, nous sommes fiers d'être en partenariat avec Valeurs Actuelles. Il a marqué la campagne des élections européennes par sa jeunesse et son talent. Il représente aujourd'hui Marine Le Pen, candidate à la présidence de la République. Il est lui-même le président du Rassemblement National. Merci d'accueillir Jordan Bardella! Bonsoir. Est-ce que le Palais des Sports, vous êtes toujours là? Est-ce que vous êtes sûr que vous êtes là? Alors, on a reçu déjà deux candidats à l'élection présidentielle tout à l'heure, en la personne d'Éric Zemmour et de Valérie Pécresse. Marine Le Pen, ce soir, est retenue à Hénin-Beaumont, dans le nord de la France, vous le savez, son fief, pour une émission sur BFM TV. Elle n'est pas là, mais je vais vous demander de l'applaudir, par contumace, parce qu'on aurait aimé qu'elle soit là ce soir, mais elle était retenue par d'autres obligations.
Et je vais évidemment vous demander d'applaudir dans quelques instants Jordan Bardella. Je tiens à vous dire que quand on organise ce genre de soirée, c'est toujours compliqué, les gens ont des desiderata, sont pas toujours faciles. Et bien, je peux vous dire que c'est l'invité le plus facile, le plus poli et vraiment le mieux éduqué qu'on ait eu. Donc merci de lui faire un triomphe et un tonnerre d'applaudissements. Merci. Je le dis très sincèrement, il a accepté sans barguigner de clôturer cette soirée et on est extrêmement heureux d'avoir le président d'un énorme parti en France, le Rassemblement National, aussi une des étoiles montantes de la politique, voilà, qui a déjà été tête de liste européenne et qui est ce soir avec nous et qui est un personnage très important de son parti. Donc merci de l'applaudir encore. Merci. Et pour commencer, quand on a préparé ce débat avec Jordan, on s'est dit qu'il fallait quand même lever assez vite une sorte de malentendu, d'ambiguïté, puisque par des propos parfois rapportés, déformés peut-être, tenus en privé, on a l'impression qu'il y a une forme de hiatus, souvent, entre la droite conservatrice, pour l'appeler comme ça en résumé, et le Rassemblement National ou Marine Le Pen. On a par exemple vu dans le Figaro, pour pas nommer ce journal il y a quelques semaines, des commentaires un peu amènes sur l'entourage d'Éric Zemmour qui aurait été composé de nazis ou de cathos tradis. Et ça a nourri une forme de malentendu qui peut y avoir. Est-ce que Jordan Bardella, vous pouvez nous dire en quoi finalement les gens qui se sentent de droite conservatrice pourraient quand même voter Marine Le Pen et se sentir proche du Rassemblement National? Bien, mon cher Tuc Duel Denis, merci beaucoup d'abord pour cette invitation. Je suis très heureux d'être ici, très heureux de clôturer cet événement qui va faire vivre quand même la campagne présidentielle et les trois semaines qui nous séparent désormais du premier tour. J'ai entendu, c'est vrai, à plusieurs reprises au cours du quinquennat, qu'il y aurait un malentendu entre le Rassemblement National, le Front National, qui est devenu le Rassemblement National en 2018, et une droite plus conservatrice. Je ne suis pas venu ce soir, moi, ici, pour vous flatter ou pour essayer d'être le champion du conservatisme et essayer de vous démontrer par A plus B que je suis le plus conservateur de tous les candidats qui sont passés ce soir. D'abord parce que personne ne me croirait, premièrement. Et deuxièmement, parce que je pense que s'il peut exister différentes sensibilités au sein du camp national, en vérité, le choix que vont avoir à faire les Français dans quelques semaines, dans une vingtaine de jours maintenant, n'est pas un choix qui vise à exprimer sa sensibilité. C'est même pas un choix qui vise à choisir entre une droite, des droites, ou une gauche et des gauches. Le choix qui va se poser lors de cette élection présidentielle est un choix de civilisation. C'est un choix entre ceux qui se soucient d'un côté de la disparition de la France, ce camp que nous incarnons, ces idées que nous portons, et ceux qui acceptent cette disparition de la France, qui veulent vivre sur ses ruines et qui travaillent tous les jours à la sortir de l'histoire. Je pense que toutes les autres considérations sont anecdotiques. Pour vous répondre précisément, nous avons toujours considéré que les sujets de société devaient être rendus à la société. Nous avons considéré qu'il s'agisse du mariage pour tous, qu'il s'agisse de la PMA, de la GPA, des questions fondamentales éthiques qui posent la question qui est, à mon sens, l'un des grands défis du XXIe siècle, qui est celle du transhumanisme, et que de tout ce que les évolutions technologiques vont peut-être nous pousser à faire ou à refuser demain et après-demain, devait être traité par la société, par référendum, et c'est la raison pour laquelle nous défendons et nous mettrons en œuvre une révision constitutionnelle, si Marine Le Pen est élue présidente de la République, qui vise à intégrer dans la loi française le référendum d'initiative citoyenne. C'était une... C'était une revendication importante du mouvement des Gilets jaunes, mais c'est aussi la possibilité, parce que cette droite conservatrice, elle aime le débat, elle aime s'exprimer, qu'elle puisse se saisir aussi de cette question-là. Maintenant, sur le clivage gauche-droite, je crois avoir répondu, je pense qu'on est bien au-delà de tout ça, et que le choix qu'il y a à trancher dans quelques mois et qu'il y aura à trancher au XXIe siècle, et pour conclure, un choix entre les partisans de l'illimité, d'une société sans limites, qui est bien incarnée par Emmanuel Macron, et les gardiens des limites que nous sommes et je crois que nous représentons dans cette présidentielle. Mais contredisez-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que justement, devant les poussées
du progressisme. On n'a jamais autant parlé de wokisme, de cancel culture. Il y a des poussées culturelles, des poussées politiques. Moi, j'ai l'impression que votre discours se teinte au fur et à mesure d'un certain conservatisme. Quand bien même vous voudriez rendre ces questions sociétales à la société, le discours politique est obligé de s'en saisir, j'ai l'impression, y compris au Rassemblement national ce soir, dans votre bouche. Il ne s'agit pas de teinter un discours. Je pense qu'on a toujours essayé de porter... C'est vrai que moi, je vais répondre peut-être à la question subliminale derrière, on ne va pas faire semblant parce qu'il est très tard. J'ai entendu tout au long de cette campagne, Marine Le Pen, le Rassemblement national se renie, renonce à tel et tel sujet. Bon, tout ça a eu un effet de loupe, c'est-à-dire que certaines personnes qui ont pu nous quitter pour des raisons diverses et variées au cours de la campagne pour rejoindre d'autres mouvements politiques ont utilisé des prétextes un peu faciles qui étaient de dire nous avions renoncé par exemple à la sortie de la Cour européenne des droits de l'homme. Il faut savoir qu'il y a des pays par exemple qui maîtrisent leur immigration, dont certains ont une politique extrêmement ferme, qui sont des avocats de la défense de la civilisation européenne, de la civilisation chrétienne, je pense à la Hongrie de Viktor Orban, qui n'accueille pas de migrants, qui sont membres de la CEDH. Mais si vous voyez, toutes les évolutions qu'on a peut-être pu faire depuis 5 ans, tout le travail de fond qu'on a fait depuis 5 ans, vise à transformer la démarche de témoignage qu'on a longtemps occupée pendant des années et des années en une voie qui soit politiquement viable, juridiquement applicable et qui soit in fine politiquement sérieuse. En somme, porter un projet de gouvernement. Et ces quelques petites évolutions qu'on a pu faire, je pense par exemple à la mise de côté de la sortie de l'euro, de la sortie de l'Union européenne, qui est sortie de l'euro dans laquelle je n'ai jamais cru, et qui a pu apparaître brutale pour beaucoup de Français par le passé, nous l'avons mise de côté parce que nous avons l'expérience de 50 ans de vie politique. Et on s'est aperçu au bout de 50 ans de vie politique qu'on était les champions du monde du premier tour. Et que pendant ces 50 ans de vie politique, où nous étions les champions du monde des premiers tours, on a trop longtemps oublié et pendant trop longtemps négligé qu'il existait un second tour. Or, je crois que le niveau de maturité auquel notre projet, solide, sérieux, puissant, qui répond, je crois, aux défis à la fois de la fin de la France, qui répond à ce souci de l'âme française, qui est en train de disparaître dans beaucoup de territoires et qui est une inquiétude pour des millions de gens, comme d'avoir parlé des fins de mois difficiles, des préoccupations quotidiennes des Français, sont les deux jambes sur lesquelles nous avons marché depuis le début de cette campagne et sont, je crois, font de ce projet un projet qui est en capacité, je crois, d'arriver à la tête de l'État. Mais alors le grand paradoxe, Jordan Bardella, c'est que pour un parti qui se veut aujourd'hui de second tour, vous n'avez jamais eu autant de concurrence féroce sur vos thématiques fondamentales qu'aujourd'hui, avec la concurrence d'Éric Zemmour et de Valérie Pécresse. Pour eux, pour vous, ces gens-là, ce sont quoi? Ce sont des adversaires, des concurrents, des ennemis, des empêcheurs de réussir en rond? Non, je crois rien de tout cela. Bon, d'abord, les Républicains, je suis désolé s'il reste des partisans de Valérie Pécresse dans la salle, je vais un petit peu les égratigner, mais ouais, il doit en rester quelques-uns. Un peu beaucoup quand même. Donc je ne vais peut-être pas me les égratigner trop longtemps. Il y a un souci de crédibilité. Parce que... On a dit que j'étais poli, donc je vais essayer de ne pas aller trop loin, mais... Ils ont trop promis et pas assez réussi, c'est ça ? C'est-à-dire que quand on tire le bilan, par exemple, du mandat de Nicolas Sarkozy, on se rend compte qu'il y a eu plus d'étrangers qui sont rentrés sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy que sous le mandat de Lionel Jospin. Qu'on a supprimé la double peine, qui nous empêche, par exemple, aujourd'hui d'expulser les délinquants et criminels étrangers, et qu'on a... et c'est un débat que j'avais eu avec Valérie Pécresse, que je respecte comme présidente de région et qui peut avoir des qualités comme présidente de région, mais avec qui je devrais divergence sur la question nationale et sur la question de la sécurité, puisqu'elle a été une ministre du budget qui a supprimé, par exemple, 12 500 postes de policiers et gendarmes, et je considère qu'on en paye aujourd'hui les conséquences. Sur Reconquête... Ils sont tous partis. Voilà. Alors, il en reste un peu, en fait. Sur Reconquête, je l'ai dit, et on a eu des échanges parce que la campagne électorale veut cela. Je veux dire, à partir du moment où Éric Zemmour déclare sa candidature, et moi, j'ai beaucoup suivi, comme beaucoup dans la salle, y compris de gens au sein du Rassemblement national, l'écrivain, le polémiste, l'auteur, le débatteur de talent qu'il a été.
Et n'en rajoutez pas non plus. Et à partir du moment où Éric Zemmour fait le choix d'entrer dans une démarche électorale, c'est qu'il considère que l'offre que nous proposons ne répond pas aux problèmes qu'il considérait comme les problèmes du pays. Moi, je considère que la vraie divergence de fond, parce que je pense que les électeurs d'Éric Zemmour sont des patriotes sincères et qu'on partage l'essentiel. On peut se battre sur des questions de court terme, on peut se battre sur des questions de moyen terme, mais je pense qu'on partage le souci, l'inquiétude de la disparition progressive de notre pays. Et moi, j'ai grandi dans une cité HLM de Seine-Saint-Denis. Et quand on me demande qu'est-ce qui, toi, t'a fait engager très tôt à 16 ans en politique, puisque ça va bientôt faire maintenant, ça fait 10 ans que je suis engagé au Front National, Rassemblement National, je réponds que c'est la Seine-Saint-Denis qui m'a amené à la politique. C'est la Seine-Saint-Denis parce que j'ai vu, dans l'environnement dans lequel j'ai grandi, la France disparaître. J'ai vu de la cité, du 8e étage de la cité HLM où j'ai grandi, en face de moi, tous les jours, une école coranique privée avec des gamines de 5-6 ans qui sortaient avec un voile sur la tête. J'ai vu l'immeuble dans lequel je rentrais tous les jours dans l'immeuble dans lequel je rentrais, des dealers cagoulés, regarder qui étaient les gens qui entraient, demandaient les cartes d'identité. J'ai vécu tout cela. Et c'est tout cela qui, à 16 ans, très tôt, m'a fait prendre une conscience civique. Mais c'est aussi, et c'est peut-être ce qui m'a dirigé vers le Front National et vers Marine Le Pen, c'est aussi d'avoir vu ma mère arriver le 14, 15, 16 du mois et se dire, mais il me reste 30 euros, 20 euros, comment est-ce que je vais boucler la fin du mois? Et ces deux préoccupations, qui sont pour le coup le cœur aujourd'hui de notre projet, la fin du mois, la fin de la France, sont pour moi structurants dans notre discours. Donc je le disais, avec Éric Zemmour, on partage l'essentiel. On a, je le crois, une différence de stratégie. Cette différence de stratégie, d'approche, on l'a confrontée au cours de la campagne électorale. Il y a eu des mots durs qui ont été échangés, de part et d'autre d'ailleurs, mais c'est le propre d'une campagne électorale. Et la démocratie, c'est justement la violence des mots plutôt que la violence physique, plutôt que la violence des armes. C'est cela, la démocratie. Est-ce qu'au plus fort de sa dynamique, quand il est rentré en campagne à l'automne et qu'il grappillait des points dans les sondages chaque semaine quand vous en perdiez, je sais que la situation s'est inversée depuis, mais est-ce que vous avez vu le moment où peut-être il supplanterait votre camp politique ? Non, je n'y ai jamais cru. Je vais vous dire honnêtement, je n'y ai jamais cru parce que une campagne électorale, c'est très long et que Marine Le Pen, elle connaît très bien les Français. Elle connaît très bien les problèmes des Français et elle a su que, on lui a longtemps reproché d'ailleurs, hein, beaucoup se sont moqués lorsqu'elle a évoqué le calme des vieilles troupes, lorsqu'elle a démarré sa campagne en expliquant qu'elle voulait faire du pouvoir d'achat un axe majeur de sa campagne. Sauf que les choix que nous avons faits sont des choix qui, contrairement à la stratégie qu'a choisi Éric Zemmour, ne nous cantonnent pas à un témoignage. Et moi, j'ai eu cette phrase qui a été discutée en bien, en mal, etc. J'ai dit, parce que les plus anciens aussi de notre famille politique du camp national me l'ont dit, ils m'ont dit, ce que fait Éric Zemmour, c'est ce qu'on faisait nous avec Le Pen, Jean-Marie Le Pen, il y a 30 ans. Et on a utilisé cette stratégie. C'est une stratégie qui vous permet de mettre des constats sur la table, qui vous permet de mettre des sujets sur la table, qui vous permet d'être au cœur de l'opinion, qui vous permet, c'est vrai, de rassembler des gens dans des salles et dans des meetings, et cette dynamique militante est incontestable. Mais cette stratégie, elle vous mène à faire 15%. Or, si, j'en termine, si l'urgence de cette élection présidentielle, parce que moi, je vais vous dire, la recomposition 2027, je m'en fous complètement. Mon sujet, c'est de faire en sorte qu'on puisse sauver la France dans 3 semaines. Et je pense que cette exigence nous commande aujourd'hui de soutenir la candidate qui est la mieux placée, non pas seulement pour se qualifier, mais pour battre Emmanuel Macron. Et quoi qu'on en dise, on parle des sondages. Sondages qui sont, on sait qu'on est en campagne, qui sont utilisés quand on fait des bons scores, un peu moins quand on fait des moins bons scores dans les sondages. Mais quand on voit sur les sondages de second tour, encore le sondage, le Rolling IFOP aujourd'hui, qui met Marine Le Pen à 45%, c'est-à-dire dans les marges d'erreur avec Emmanuel Macron, ça veut dire que si on crée un rassemblement puissant de tous les nationaux, de tous les amoureux de la France, de tous ceux qui veulent sauver la frontière comme limite aujourd'hui dans le pays,
eh bien, on peut remporter cette élection présidentielle. Et je dis, on n'a pas le temps d'attendre. On n'a pas le temps d'attendre après-demain. On n'a pas le temps d'attendre 2027, parce que... Moi, Jordan Bardella... Parce que je pense, et j'en conclue juste, je pense que notre ennemi, notre adversaire, en tout cas en politique, c'est Emmanuel Macron, en tout cas c'est le mien. Ça n'est ni Valérie Pécresse, ni Éric Zemmour, parce qu'il y a des patriotes sincères des deux côtés. Je pense que notre pire ennemi, c'est le temps. Vous avez parlé tout à l'heure des Républicains qui ont exercé le pouvoir et déçu. Marine Le Pen sera candidate à l'élection présidentielle pour la troisième fois de suite, si je ne m'abuse. Comment vous pouvez convaincre la salle ce soir que cette fois-ci, c'est la bonne, que dans ce que vous voyez d'elle, vous qui la connaissez personnellement, politiquement, elle est prête, elle a mûri, elle est affinée, affûtée, et que c'est cette bonne année, cette bonne élection pour Marine Le Pen, et qu'elle ferait une meilleure présidente, peut-être même qu'elle aurait fait en 2012 ou 2017. D'abord, Marine, c'est une anecdote que je vous racontais tout à l'heure dans les coulisses, mais maintenant on peut le dire puisque le temps est passé, et je pense d'ailleurs que le temps nous a donné raison et que le temps lui a donné raison. C'est-à-dire que je pense que 5 ans de macronisme a validé pour nous, pour notre famille politique et pour Marine, 20 ans d'analyse et de combat politique. Tout le monde parle aujourd'hui de souveraineté, d'indépendance, de patriotisme économique. Mais parlez-nous de votre candidate. Je vais vous en parler. Est-ce que vous sentez chez elle comme puissance, comme force, comme motivation, comme capacité à se renouveler? Fin septembre, début octobre, lorsque, vous savez, il y a ce sondage Harris où les courbes se croisent avec Éric Zemmour, Marine dit, elle le dit en public, donc c'est le fameux calme des vieilles troupes qui est moqué, et elle me dit à moi, ne t'en fais pas, ils vont redescendre et on sera au second tour. Et l'assurance qu'elle a montrée en on est exactement la même assurance qu'elle avait en off. Et c'est, pour le coup, quelqu'un qui, depuis 5 ans, a énormément travaillé. Je pense que, et vous le voyez d'ailleurs sur le programme, on n'a plus aucun point sur lequel on est attaqué. Le programme, il parle du pouvoir d'achat, il parle de réforme des droits de succession, il apporte des réponses clés en main, concrètes, pas des slogans sur l'immigration, sur l'islamisme, sur le communautarisme, sur l'immigration. Je veux dire, on n'est plus à faire des slogans. On a des référendums qui sont écrits clés en main. On a un projet de loi sur l'islamisme qui est clé en main. Et puis surtout, il y a eu 5 ans de Macron. Il y a eu 5 ans de Macron qui ont validé à peu près tout ce qu'elle a toujours dit depuis 20 ans. Et puis je crois foncièrement que sa candidature, c'est la candidature de la solidité. C'est la solidité d'abord du programme, j'en ai parlé, mais c'est aussi la solidité sur elle, sur sa personne. Avec nous, il n'y aura pas de faux. Les Français, ils la connaissent. Ça fait maintenant 20 ans qu'elle est en première ligne, et je pense que même les gens qui sont en désaccord avec elle peuvent au moins dire d'elle qu'elle est une femme sincère et qu'elle est une femme qui, à la différence de beaucoup de responsables politiques qui ont sacrifié la France pour se placer ou pour défendre leur carrière, a en tout cas elle sacrifié une partie de sa vie personnelle pour défendre les Français depuis 20 ans, et ça, je pense qu'on ne peut pas lui enlever. Merci beaucoup. C'est la première fois que vous vivez une campagne présidentielle d'aussi près, ou en tout cas en première ligne. C'est une campagne très bizarre, parce qu'il n'y a pas beaucoup de débats, et il y a énormément de violence. Un militant du Rassemblement National a été agressé le week-end dernier dans le Vaucluse, oui. Si je ne m'abuse. Des militants d'Éric Zemmour ont été jusqu'à asperger d'essence, sans parler de ceux qui se sont fait molester ou agresser verbalement, comme Stanislas Trigo l'autre jour à la gare de Metz. Comment tout ça peut finir? Qui sont les coupables d'une part, mais qui sont aussi les responsables de ce climat? Il y a dans le pays un climat de plus en plus violent à l'égard des militants politiques. Alors nous, je vous dirais, les plus anciens chez nous vous diront que ça fait 30 ans que la violence politique, on l'a subie. Ça fait 30 ans qu'au Front National, je m'éloigne un peu du Rassemblement National, mais que la violence, on l'a subie. J'ai effectivement écrit au ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, pour lui demander est-ce qu'il s'exprime, qu'il prenne des sanctions. Il vous a répondu personnellement? Parce que, non, pour l'instant, il ne m'a pas répondu. Mais la poste, c'est parfois un peu long, service public. Cette violence, elle vient à la fois de militants d'ultra-gauche. Je veux dire, on le sait tous, je pense qu'il n'y en a pas dans la salle, a priori. Je crois que les quelques-unes ont été exfiltrées. La violence, elle vient de l'ultra-gauche. Elle vient des milices Antifa, qui bénéficient d'une complaisance inouïe de la part des différents gouvernements, et dont d'ailleurs les fonctionnaires de police
disent systématiquement « nous n'avons pas les ordres pour intervenir ». Dans les manifestations, on laisse généralement les milices d'ultra-gauche venir pourrir les gilets jaunes, venir pourrir toutes les manifestations sociales qui sont organisées, parce que ça permet aussi de pouvoir taper sur les réels problématiques qui sont soulevées par ces mobilisations. Et puis parfois, elle vient de gens, d'agresseurs, de délinquants, de criminels qui se sentent impunis. Il y a un sujet qui est totalement absent, j'élargis un peu la violence militante, mais il y a un sujet qui est totalement absent de la campagne, c'est la question de la sécurité. Il n'y a plus un seul endroit en France, il n'y a plus une seule ville, il n'y a plus un seul quartier, il n'y a plus un seul périmètre, il n'y a plus une seule barre d'immeuble où les Français ne sont pas encerclés par la violence. Il n'y a plus une seule femme qui, lorsqu'elle sort dans les rues de France, ne regarde pas derrière elle pour voir si elle n'est pas suivie. Et ce n'est pas de la faute de la taille des trottoirs. Alors ça, c'est pour le climat sécuritaire, mais pour le climat démocratique en tant que tel, avec cette campagne, comme je le disais, d'une part amputée par la pandémie, puis par la guerre en Ukraine, et peut-être un refus de débattre du président de la République également. Rapidement, comment restaurer justement une démocratie un peu plus saine? Comment réparer la fameuse crise de la représentativité, la proportionnelle d'une part, les référendums d'autre part? Alors là, en 3 semaines, ça va être compliqué. Mais on va peut-être essayer de penser à l'élection d'après. Vous savez que nous soutenons le référendum d'initiative citoyenne, et nous le soutenons depuis 30 ans. Déjà, dans le programme présidentiel de Jean-Marie Le Pen, il y avait le référendum d'initiative populaire, qui était le référendum d'initiative citoyenne, appelé autrement. La proportionnelle à l'ensemble des élections. Emmanuel Macron avait promis cela en 2017, ça n'a pas été fait. Un parti comme le nôtre, qui fait 11 millions de voix lors de la dernière élection présidentielle, 34% à la dernière élection présidentielle, qui remporte les élections européennes, qui est aujourd'hui donné au second tour avec des scores de second tour qui sont assez proches de celui du président sortant, n'a que 6 députés sur 577 à l'Assemblée nationale. Donc il faut mettre en place la proportionnelle. Je note que c'est une anomalie française et que la France est l'un des seuls pays d'Europe, avec l'Angleterre qui a une forme de proportionnelle, puisque c'est un scrutin majoritaire à un tour, à ne pas avoir de proportionnelle. Donc ça pose un problème. Et je pense que si l'Assemblée était beaucoup plus représentative de la diversité politique de la société française, alors peut-être qu'il n'y aurait pas eu certains mouvements sociaux, et peut-être même qu'il n'y aurait pas eu le mouvement des Gilets jaunes. Parce que les Gilets jaunes descendent dans les rues de France pour dire quoi? Ils disent « on n'est plus entendu ». On n'est plus entendu parce que, d'abord, ils ont le sentiment que quand ils votent, ça ne sert à rien, que les types qui sont élus font systématiquement la même chose. Et Emmanuel Macron, en vérité, a synthétisé le pire de la droite et le pire de la gauche. Donc il y a ces deux mesures urgentes à prendre. Quant au débat, il est invraisemblable que le président de la République ait fait une campagne électorale sans faire de débat. C'est-à-dire, ça pose un problème. Alors Jupiter nous a envoyé une lettre, il a quand même eu la bonté de nous envoyer une lettre depuis les airs, mais c'est tout. Et on a le sentiment qu'il n'a pas envie d'y aller. C'est-à-dire que moi, j'ai regardé tout à l'heure le film Le Candidat 3, c'est affligeant. De vide, d'indigence. Il rencontre quelqu'un sur les... Je ne sais pas si vous l'avez vu, il est sur les quais de Seine, il rencontre un monsieur qui est en train de marcher. Et alors, ils engagent une discussion, puis il n'y a rien. C'est ça va, ouais, ça va, bon. Et c'est cela pendant tout le film. Je pense qu'un président de la République n'est pas là pour se faire réélire à tout prix. Un président de la République sortant, qui veut se représenter, il doit présenter un horizon à la nation. Or, son bilan, c'est cela qu'il a fui en réalité. À aucun moment on a évoqué le bilan d'Emmanuel Macron. Or, ce bilan d'Emmanuel Macron, c'est l'insécurité qui est partout. C'est les 1 275 000 titres de séjour qui ont été accordés depuis septembre, depuis 2017. Ce sont les affaires, et probablement que McKinsey, on va en entendre parler encore pendant quelques jours. Ce sont les retraités qui vivent avec 8 euros par jour. C'est la baisse des APL pour les jeunes. C'est des crises qu'il a lui-même suscitées. Parce que c'est bien beau de venir déplorer 5 ans de crise, mais les gilets jaunes, c'est lui. La mobilisation contre la réforme des retraites, c'est lui. La suppression de 27 000 lits à l'hôpital public qui ont manqué pendant le Covid, c'est lui. Donc Emmanuel Macron, il a un bilan. Et je vais vous dire, et j'en termine dessus, moi, le pire chez Macron, c'est le sentiment intellectuellement d'un grand désordre, d'une grande confusion. C'est quelqu'un qui arrive... Et d'ailleurs, il faut quand même lui reconnaître ce talent, à dire systématiquement tout et le contraire de tout, avec la conviction d'avoir raison.
J'aimerais terminer par deux questions. Je peux lister les exemples, mais ça va être... Voilà, j'aimerais terminer par deux questions plus personnelles pour vous, Jordan Bardella, cette soirée. Il y a beaucoup de compliments qui émanent parfois de cadres républicains, parfois de l'entourage d'Éric Zemmour à votre égard. Donc je voudrais savoir si vous les vivez comme des baisers de Judas, comme on dit. Et d'autre part, si Marine Le Pen est élue présidente de la République à la fin du mois d'avril prochain, qu'est-ce que vous verriez faire avec elle comme poste, comme responsabilité? Je sais que c'est une question à laquelle répondent jamais les politiques, mais ce soir, si vous pouvez faire un petit cadeau de sincérité et de franchise au Palais des Sports, je vous en serai gré. Sincèrement, je n'en ai pas la moindre idée. Et je n'en ai pas la moindre idée parce que je ne me suis pas engagé politiquement pour cela. C'est-à-dire que quand vous vous engagez politiquement à 16 ans, que vous vous engagez en politique pour les raisons que j'ai pu vous évoquer, et souvent, quand vous engagez très tôt en politique, c'est parce que vous êtes votre papa, votre maman est maire, député, conseiller régional, conseiller départemental, que vous êtes historiquement dans une famille communiste ou dans une famille RPR, UMP, LR, etc. Chez moi, il n'y a pas eu tout cela. Mon intérêt pour la politique, il est venu naturellement, il est venu spontanément, et c'est le réel, c'est le terrain. Je dis souvent que le 93, c'est la meilleure école de la vie parce que vous vivez tous les problèmes de la France et tous les défis de la France du 21e siècle à la puissance 1000. Donc, alors, ministre, où est-ce que je serai dans un mois, deux mois, je ne sais pas. En tout cas, je me suis engagé parce qu'il y a 10 ans, parce que j'étais convaincu qu'une femme qui s'appelle Marine Le Pen avait en elle la connaissance de ce que vit le pays, de ce que vivent les Français, et avait en elle la capacité, le caractère. Et vous savez ce que disait De Gaulle dans Le Fil de l'épée, il disait que le caractère était la vertu des temps difficiles. L'autorité, la solidité pour changer les choses et pour faire en sorte qu'on vive mieux en France. Pour faire en sorte de défendre à la fois la grandeur de la France et permettre aux Français de retrouver le bonheur dans leur quotidien. Le reste, pour être très honnête, j'en sais rien. Je ne me suis pas posé la question et ça ne vous aura pas échappé qu'on est dans un mouvement politique qui n'a pas encore gouverné. Et que donc vous vous posez ces questions dans des partis qui sont peut-être plus habitués au pouvoir que le mien, mais je pense qu'on aura très bientôt à se poser la question. Jordan Bardella, il me reste à vous remercier d'avoir eu la patience. Merci beaucoup. De passer tard dans cette soirée, mais néanmoins de pouvoir développer ce que vous aviez à nous dire, d'être venu devant ce public, vous aviez des messages pour eux. Merci beaucoup. Merci le Palais des Sports, merci Jordan Bardella, merci à tous nos invités. Merci. Et bonne soirée à tous. This is for the headsets, live in the mix. My people in the front, oh, covered in spit. Batters in the box, suffer the pitch. Hilltop hoods, oh, up in this bitch. Un immense merci à tous pour cette magnifique soirée du grand débat des valeurs. On espère que vous avez passé un super moment! Merci, merci, merci à vous tous d'être venus, mais également à nos sponsors. Je tiens à remercier Getter qui prend le meilleur des plateformes numériques sans la censure des CAFAM. Merci Getter! Merci ce soir à nos partenaires, les éveilleurs d'espérance, sans qui on ne pourrait pas faire tout ça, et à leurs nombreux bénévoles grâce à qui cette soirée a été possible. Et merci à Valeurs Actuelles et à Paul qui a mis en scène toute cette soirée avec une scénographie merveilleuse. Et surtout, surtout, un grand, grand, grand merci à vous tous d'être venus extrêmement nombreux ce soir. Merci à l'agence Odeya, l'agence de voyage. Là, je voulais dire merci aussi à notre partenaire, l'Institut pour la Justice. Excuse-moi, j'ai parlé en même temps que Baudouin. Charlotte, est-ce que tu peux remercier Odeya, notre partenaire? Et on remercie évidemment Odeya, partenaire de la soirée, qui organise des voyages extrêmement régulièrement. Merci à vous. Ainsi que la Manif pour tous, qui depuis de nombreuses années se bat et qui nous a sponsorisés aussi ce soir. Et une dernière chose, on dit souvent que Valeurs Actuelles est un torchon. Qu'est-ce qu'on répond à ces personnes? Je vous propose de retrouver à la sortie le torchon Valeurs Actuelles.
Un immense merci, vous pouvez regagner la sortie sur votre gauche. Encore merci à tous et très belle soirée.